Notre commanditaire cette semaine a écrit un petit texte pour que l'on interprète à deux. On va donc vous lire le petit dialogue qu'il nous a écrit. Super! Salut Marilyn! Savais-tu que Jean-Thomas Jobin est présentement en tournée avec son nouveau show et que toutes ses dates se retrouvent au jeanthomasjobin.com? As-tu dit jeanthomasjobin.com, Samuel? Oui, Marilyn, j'ai dit jeanthomasjobin.com. As-tu l'impression qu'il nous fait répéter jeanthomasjobin.com pour être sûr qu'on se souvienne que c'est au jeanthomasjobin.com qu'on peut se procurer des billets? C'est possible, Samuel, il faudrait lui demander. À qui? À Jean-Thomas Jobin? Ben non, Samuel, à jeanthomasjobin.com. Jean-Thomas voulait qu'on vous lise ce nota bene. Je n'ai pas écrit ceci pour me faire de la pub. Je voulais surtout mettre en valeur vos incroyables talents de comédien dans l'espoir qu'un directeur de casting le voit, qu'il soit impressionné et qu'il vous fasse jouer dans la prochaine saison de 5e rang. De rien, signé jeanthomasjobin.com. Achetez des billets. J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour vos animateurs, Sam Cyr et Marilyn Gendron! Bonsoir, bonsoir, les copines. On revient de notre game de balle molle. Ça va bien? Est-ce que vous avez nos petits cotons ouettés? Ce sont des kangourous, je dois dire. Excusez. C'est ça le terme technique. Eh boy, ça commence avec une chicane. Oh. C'est parfait. Oh, j'ai renversé mon verre d'eau. On peut pas dire coton ouetté? Oui. OK, mais pourquoi tu m'as repris? Je voulais pas commencer avec un sujet aussi chaud. Oui, c'est ça. Je sais pas, là. Parce que des fois, l'autre fois, on s'est ostiné sur auto puis camion, puis ça a vraiment fait de la marde, là. Ah, ben ça, par exemple, on pourrait vraiment en discuter. Parce que Marilyn, toutes les voitures qu'il y a sur la route, elle appelle ça des camions. Non. C'est pas réducteur, ce que tu dis, là. Chaque chose que je vois sur la route, je dis « camion! » Non, non. Ben c'est vrai, genre un petit véhicule 4x4 Hyundai, elle appelle ça un camion, là, tu sais. Puis, y a-t-il un problème là-dedans? Ouais. On n'a pas le droit de s'amuser? Non, mais ben, tu sais, je disais c'est un Jeep. Ben c'est ça, c'est pas mieux, calice. C'est un Jeep, là. Ouais, mais moi, je le savais, toi, tu le savais pas. OK. Non, non, je disais que c'était le fun de dire qu'on avait un camion au lieu de dire j'ai un VUS. Je trouvais ça plate. Je trouvais que ça faisait plus mascu dire un camion, genre. Puis là, il était fâché. T'as-tu fait un petit nœud dans ton cordon? Oui. T'es coquette. Oui. J'ai essayé d'être coquette avec mon look zéro coquette. Ouais. Là, tu sais, j'ai mis... Mais oui, c'est ça. On a des nouveaux cotons ouatés. Merci. Des gros camions de chandail, ouais. OK? Oui, peut-être que vous les avez vus en vente dans l'entrée, mais sinon, on a maintenant une boutique en ligne. Ça part, nos affaires. Ouais, hein? On a mis le lien, s'il y en a qui sont intéressés, on a mis le lien dans nos Linktree, dans notre description de profil Instagram. Puis on peut en profiter peut-être pour applaudir Camille Lucier qui a oui! fait le dessin. Elle est là, Camille! Merci, Camille! Le beau dessin! Qui a fait tous mes tatouages de femmes, d'ailleurs, Camille aussi. Fait que merci, Camille, si jamais... Oui, à nous, merci. Merci beaucoup. Tes tatouages de femmes? Ben oui, là, que tu dis, là, que j'ai des tatouages de femmes, là. Ah oui? Tu dis pas ça? Quand c'est dans ceux dans tes parties intimes. Comme autour des deux tétines. Non, je les ai sur le pubis vaginal. Sur le pubis vaginal. Non, j'ai pas et de et sur le monticule des fesses. Hey Sam, il était déçu que le monde réagisse pas quand il a dit crotte bananée tantôt, vrai. Hein. C'est quoi? On a il plus a les bonnes pas valeurs. Sur scène. Il a fait... C'est quoi? Tout le monde s'en calisse de crotte bananée ici! C'est comme, non, non, mais c'était une phase, là. Puis après, on en est revenu, là, de la crotte banane, tout le monde ensemble. Moi, j'ai là. Encore des gens, des fois, qui m'envoient des photos. Hein? Genre, ouais.
Des photos, explique. Des gens, des... Moi, j'en ai pas, là, de ces photos-là, en passant. Ouais. Non, mais mettons, quelqu'un, l'autre fois, a vu une paire de boxers, puis il y avait une banane trempée dans le chocolat dessus, puis là, je me fais envoyer ça, puis je suis comme... Je suis vraiment en train de m'immiscer dans les mœurs du Québec. Il y a des fans qui reçoivent des dick pics. Sam, il reçoit ça. Une banane trempée dans marde, puis il est comme « Yeah! » C'est chaud. Ouais. C'est cochon. Puis aussi, on est casquettés ce soir. Oui, parce que mes cheveux sont lettres. Toi, c'est pourquoi? Je dirais la même chose. Okay, mais parfait. Je peux montrer. Ils sont juste... Son... OK, mais là, je pense... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai-tu un chou sur la tête? Qu'est-ce qu'il y a? Hé, hey, là, vous exagérez. Hey, ça, ouh. En passant, aucune petite chance, j'enlève ma casquette. Les intimidateurs, t'as parlé? Tout le monde fait... C'est comme sûr, si... c'est pas si pire que ça. Comme vous exagérez. Si... Il est fucking insécurisé en ce moment. Comme s'il venait de baisser sa culotte. Ah! Il s'est pris en photo en passant, là. Il a cliqué. Je voulais avoir un souvenir. Mais c'était pas... Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est sûr, je le réécoute chez nous tantôt aussi. Sam qui est comme, quoi, c'est correct? Ah! Il y a une marmotte sur la tête. Mais toi, t'as pensé quoi de mes cheveux? Moi, je suis devenue gênée comme si, genre, il y avait... un trou dans mes bobettes, là, t'sais. Ouais, je touche, j'ai tué à fly des zippés, là. Toi aussi. Oui, moi aussi, non, et pas des zippés. Ah, j'ai vraiment aimé ça, là, ça m'a Oui, c'était un moment, c'était spécial. Oui, ça m'a fait rire. Mais ça se peut que je la réenlève, là, parce que je vais avoir chaud, là. Pendant que quelqu'un parle. Mais, ouais, il fonctionne, mais... Oui, oui. On est quand même... en coton ouaté. Oui, oui, on est en coton ouaté, on vit dangereusement. Mm-hmm. Puis moi, en plus, j'ai plein... Est-ce que tu trouves que je sens l'antiflogistine? Non. Non? Mais tu t'es beaucoup parfumé, j'ai remarqué, par contre. Ben là... Tu sens la petite fleur. Ah oui? Quelqu'un qui est beaucoup parfumé, ça n'a pas l'air comme d'une qualité, hein? Je sais pas. On dirait que quand ça sent trop loin, là, c'est comme pas non, positif. Non, non, non. C'est rare que je trouve ça désagréable, surtout toi. Ah! Mon Dieu! Je suis capable de douceur. Les gens essayent de se reprendre, là, envers toi. Non, mais tu sens bon, mais tu sais, genre, il y avait du parfum, là, tu t'en es mis. Là. Oui, oui, mais c'est parce que je me suis fait mal au dos, fait que je me suis mis de l'antiflogistine. Puis, tu veux-tu qu'on parle de ça? De ma blessure au dos? Oui. Oui. Docteur veut parler de ça. Non, c'est parce que je me suis entraînée hier, puis j'ai fait des redressements assis. Puis, quoi? Les gens sont choux. Non, genre. Mais c'est que mon médecin, il m'avait dit de pas faire ça parce que j'ai de quoi à mon dos. Puis là, j'en ai fait comme 150. Puis là, Marilyn fait agressivement des redressements assis, oui. Malgré que tous les professionnels de la santé lui disent de pas en faire. Saviez-vous qu'il fallait pas faire des redressements assis, vous autres? Ben c'est ça, câlisse. OK? Ça a l'air c'est vraiment pas bon pour le dos, là, ou je sais pas trop. J'étais littéralement un peu paralysée au sol hier, après mes redressements assis, comme « Ah, oh, je crois que j'ai mal! » Puis j'étais vraiment à table, j'ai été obligée de demander à mon ami de m'enlever mes bas, parce que j'étais pas capable d'atteindre mes pieds. Fait que là, j'ai de l'antiflogistine puis des tapes dans le dos. Puis voilà, c'est pour ça que je me suis beaucoup parfumée puis que je sens la madame du labé. C'est pour ça. C'est pour ça que tu t'es beaucoup parfumée. Bien, parce que je trouve que ça sent comme... Ça sent zéro, l'antiflogistine? Non? OK, parfait. Mais j'ai vu, tantôt, tu montais les escaliers puis genre, ton top montait, là. Puis on voyait mon les... Mon top fucking sexy, mon ouais. Hoodie, genre, de merch. Ouais, ouais. Non, tantôt, t'étais en petit top serré, là, sûrement ce que tu portes en dessous du hoodie. Non, j'ai rien en dessous. T'avais un top vert. Tu ressemblais à Lara Croft. Ouais, ouais. On dirait que j'avais un chandail écrit Juicy, c'est sain, là. Tu sais, ta petite brassière sexy que tu portes dans l'loge quand on est tout seul, là. Non, mais t'avais l'air sexy. Puis là, on voyait tes deux genres de plaster noirs, là, dans les gros, dans le dos. Ça faisait comme. C'était sexy. Ça faisait comme. Voyons donc! C'est la première fois qu'il me dit ça. Sexy, sexy. Non, ça fait trois fois qu'il me le dit. Au début, je pensais que c'était tes Skims. Je pensais que c'était comme un nouveau produit. Que j'avais une gaine? Ouais, ben pas une gaine, mais comme un sous-vêtement, genre cochon. Ouais, qui relie comme la brassière à la bobette. Des bretelles! Ouais, mais puis c'est comme sexy, mais sporty en même temps.
Toi, tu penses que je viens au podcast avec un sous-vêtement bretelle en dessous, genre, mais que je mets un hoodie, comme? Ouais. OK, c'est mes deux personnalités. Non, c'est ça que je pensais. C'est vraiment du tape, ben là, oh, seigneur. Oh, ben là, à nous, le monde! Oh! Et là, vous voyez? Non, non, mais monte jusqu'en haut, là. Hé, hey, non, mais là, en le faisant, j'ai eu peur qu'il fasse... Ah! Ah! Qu'est-ce qu'elle a? Elle a une mouche dans le dos. Ouais. Non, non. Mais est-ce que vous avez trouvé ça cochon? Sexy. Oui, sexy! Oui, oui. Sexy! On dirait ma tante. Ouais. Sexy! Non, mais t'as vraiment un beau corps. OK, non, là. Hey, ça, elle aime pas ça. Non, j'aime pas ça. Est-ce qu'on fait le segment? T'as le dos fait... tout bronzé, tout lisse. Mais tu fermes ta gueule, là, c'est-tu? OK, est-ce qu'on fait le segment qu'on fait au début du podcast? Les gens crient comme si tu m'avais enlevé ma perruque. Hey, non, mais c'est... Comme dans une montagne russe. Ça va être inacceptable en audio, cet épisode-là. Là. Qu'est-ce qu'il y a sur la tête, c'est-tu? Ça va nous faire des c'est abonnements un bon moment YouTube. Pour dire aux gens de venir nous retrouver sur YouTube. Oui. Écoutez, mettez un like, mettez un commentaire. Oui, il y a du visuel. Oui. Je veux qu'on fasse le truc qu'on fait à chaque début d'épisode, Samuel. Je veux tu qu'on te présentes tout le temps de façon mystérieuse, comme ben. Si personne savait c'était qui notre commanditaire. Ben quoi, tu veux pas quelque chose de sexy en début d'épisode? J'aimerais ça qu'on dise ça un jour, puis qu'on ait réellement comme, genre, une commandite Saint-Hubert qui arrive. C'est un corps de cuisse, puis on le mange. Ça serait bon. Ça serait aussi cochon, quand même. Non, mais amenez le jouet Eros. Qu'on amène le jouet sextoy. Merci, Mathieu. Merci beaucoup, sexy toy. Parfait. Je peux-tu l'enlever? C'est y a-tu une formule magique à dire avant? Y a-tu quelque chose? Non, non, non. Fais juste l'enlever. C'est toi qui veux rendre ça mystérieux, finalement. OK, mais il y a deux... Wash. Wash. Pourquoi il y a une vieille tuque dégueulasse? C'est-tu un prank? Ah non. OK, c'est okay. Vraiment... Ça m'écœure. C'est la tuque à qui? D'habitude, Sam, il va prendre ça et dire « C'est quoi? C'est-tu pour le clit? » C'est pas pour le clit. Pourquoi? Pourquoi? Okay. Ça, c'est la tuque de tous les petits gars au primaire, hein? Émeric, ta tuque est dans la cour! Viens la chercher! C'est ça, hein? L'éducatrice. OK, puis le j'aurais cabaret... J'aurais été bonne, hein, quand même. Ah, mais oui, toi, t'aurais été la terreur de la cour d'école, tu sais. Il y a quelqu'un qui a dit « Ouais, c'est ça. » Je l'ai enregistré. Non, je pense qu'ils ont dit ça parce qu'ils savaient que t'allais dire ça encore. C'est la terreur de la cour d'école. Mais c'est sûr, toi, t'aurais donné des retenues, hein. T'aurais été vraiment sévère. Mais non. Mais je pense que oui. Tu penses? Ou t'aurais fait mal aux enfants. Ben là... Genre, tu sais, comme ça, là. Oh, oh, Madame Gendron! Comme ça. Est-ce qu'on a... comme ça, là, tu sais. Ta gueule! Est-ce qu'on a raconté la fois que mon chien a t'a marché sur le divan? Non. On, non, est on sur peut le prendre divan. La peine de on le raconter. On est sur le divan chez nous, puis là, Jean-Sam, il fait toujours exprès pour que mon chien elle soit énervé quand il arrive. Une pitbull! Non, ta gueule! Ouais. Il fait tout le temps des petits bruits aigus, genre... De même, puis elle touche pas, puis il fait... Fait que tu sais, les chiens, elle, comme, elle comprend pas, elle comme... Puis là, elle essaye, genre, qu'il la flatte, puis il saute, puis il fait... Samuel! Puis il crie après. Fait qu'il essaie de l'énerver, puis là, il s'assoit sur le divan, puis là, elle marche, puis elle vient le voir, puis là, elle fait juste mettre sa patte sur lui, puis il crie... Ah, oh, Poupoule, tu me fais mal! Puis là, elle a paniqué. Si elle pense, c'est comme, il m'aime, il m'haït, il a frappe de même, il a pousse, il a punch, il a tue, en tout cas. Non. C'est vraiment top. Non, il n'y a pas eu de panique du tout. C'est parce qu'elle a monté sur moi, puis elle avait ses grosses griffes. Je sais pas si tu fais l'entretien des griffes, là, mais ses grosses griffes cornues. Puis elle m'a graffiné sur le bras comme ça, où est-ce que la peau est mince et sensible. Oui, le bras. Ah, tu me fais mal. Non, t'as crié. Comme là. Si c'était ma sœur, mettons, genre, attends-toi. Mais oui, mais c'est un chien, elle comprend pas. Mm-hmm. Uh-huh. OK, mais je l'aime beaucoup, la chienne. Oui, oui. Je demande souvent des nouvelles. Oui, oui. Super bon moment pour parler du sextoy. Ouais. Toi qui aimes les chiennes, tu veux-tu que le pigeon... Ah, moi, j'aime ça lire. Tu sais que j'aime ça lire. C'est un lien, mais ça se voulait pas un lien. J'aime ça lire la description de Eros, on peut le dire. Eros et compagnie, comment dit de ce podcast? Je le pige ou quoi? Ouais, sors-le, le sextoy. C'est un... Oh! Ah.
C'est une poire? Je sais pas. Attendez, je vais le déballer. Il est dans un petit sachet. C'est une petite... on dirait une poire pour mettre du jus sur... De quoi une poire? OK. Sur une dinde, comme ça. Ah oui. Poire à jus, là. Mais attends, je vais le partir. Mais aussi, on dirait un peu comme un cône... À chaque fois que je le pars, je me dis, ça va faire quoi? Ça vibre, tout le monde. C'est pas. Je vais pas faire comme I love rock and roll. Tu sais, ça va pas être ça, là. Ça vibre, dans le sens que c'est ça, là. C'est une vibration. Ben, c'est un dildo, dans le fond. C'est un dildo portatif, peut-être. C'est pour ça que c'est ça l'attrait de. Un dildo, ouais, tu dolles. Ben, là... Moi, je pense. C'est un chapeau de fête. Oui, mais à un moment donné. Moi, je pense que c'est une bagette. Une quoi? Une baguette magique. Une baguette magique. Une bagette magique. Je pense que c'est une pagette. Okay? Je pense que c'est une baguette magique pour stimuler le gland. OK. OK, vas-y, laisse aller ta créativité, mon bébé. Ben, je pense que tu peux le mettre dans un condom. Wesh. Et vas-y. Tu peux le badigeonner de la sauce que tu veux. Et après, tu peux le mettre dans ton... Ça s'en va quelque part, là, j'imagine. Dans ta soupe, qu'est-ce que tu veux dire? En dessous de tes aisselles. Oh. Attends, je vais lire, voir si c'est ça qui est écrit. Ben... Mettez un condom dessus avec une sauce Worcestershire. Non. OK, non. À quoi le mini-stimulateur pour le clitoris qui vous amènera dans un Attends, univers... Attends, on comprend rien. C'est quoi le nom? Calice. À quoi? C'est le à quoi. Tout le monde, à quoi, à hey, quoi, l'enseignante tout le à côté de moi. Le monde, ils font pas une dictée ici, là. Ils écoutent. Le monde veut le savoir. Le mini-stimulateur pour le clitoris qui vous amènera dans un univers tout à fait captivant grâce à son efficacité exceptionnelle. Conçu avec une seule mission en tête, votre plaisir absolu. Il y a pas de sauce d'indiquer là-dedans, là. Mais c'est ça, c'est comme portatif, il doit aller dans l'eau, peut-être? Ben j'espère. J'imagine qu'ils vont un peu tous dans l'eau, là, je sais pas. Sinon, moi, j'aimerais ça qu'il y en ait un. Non? Quelqu'un a dit non? Non. J'aimerais ça que... Ben là, sont tous un peu waterproof, non? Ben. Pas ah, ben c'est quand complet. Même un appareil électronique, hein? Faut pas que tu le mettes dans l'eau. Ouais. Elle dit, ah, on mais... est quand même mouillé, là. Ouais, y a un... parfait. Sam, il s'est pas fait dire ça souvent, il est même parfait. Je peux recevoir ce phrase-là sans problème devant public. Ben, j'ai déjà pensé à ça. À parce quoi? Que aussi, tu peux mettre du lubrifiant dessus pour ne pas dire de la sauce. Ouais! Fait que tu l'enduis au complet, mais peut-être tu peux pas le submerger. Genre, tu peux pas le crisser dans la mer puis retourner le chercher demain, là. Il doit avoir une limite. C'est sûr que ça sert à rien aussi, là, de crisser dans la mer puis retourner le chercher le lendemain, là. Mais mets le papier dedans. Pour une sirène, peut-être. Pour une sirène. Une offrande à la mer comme une bouteille avec un message. Genre. OK, parfait. Les Est-ce sirènes, qu'il y a quelqu'un qui le veut? Allez, je vois une main levée là, je vois une main levée là. Oh! Oh! Brise-fer! Le verre a-tu éclaté? Malaise! Faut lui remplacer son drink. Va lui venir en aide. Oh mon Dieu! Faut que je fasse la description audio de l'événement. Alors, sous le coup de l'excitation, Marilyn a demandé à la foule si quelqu'un voulait le sextoy à quoi. Et une femme a levé la main et Marilyn lui a crissé le sextoy sur sa table et le verre a éclaté. Hey, est-ce que vous avez compris que c'était une femme enceinte? Ah! Là, tu l'as mis en danger bien raide. C'est sûr, je vais en enfer, sincèrement. Est-ce que quelqu'un peut y amener une autre bière sans alcool puis tout l'héritage de ma famille, oui. S'il vous plaît? Oui. Mais pourquoi à chaque fois ça a bien été quand on a fait ça? On a genre lancé, me semble, un pied mélangeur une fois, c'ti. Puis ça a bien été, puis là... Mais tu l'as pas lancé à la bonne place. Ben c'était dur à lancer, c'était tellement petit. Il y avait plein de sauce Worcestershire dessus. Ça m'a glissé des mains, t'es-tu correct? Okay. C'est sûr parce que c'est une mère, elle est fine. Elle est comme, oui, ma chérie, c'est correct, mais je garde ça en tête.
T'iras pas à l'école que tu veux. OK, parfait. Et juste oui. là, juste là, ici. Avec le petit foulard. Merci beaucoup. Hey, ça, ah. Je suis vraiment contente de ça. Je vais pas en faire des cauchemars pendant 10 ans. C'est parfait. Tu t'es-tu excusée? Ben là, ça, oui, je me... À peine si je peux aller essorer son chandail, là. Ben, je sais pas c'est à qui ce truc-là, là, mais elle a servi. Je pense que c'est à quelqu'un backstage. OK, ben, tu veux-tu un coton ouaté? Il y a un petit gars derrière le... ton chandail, es-tu mouillé? Ça va, OK. On va te donner des billets pour un show de Rachid Badouri. C'est un bon gag, ça, Marie. Merci. Ouais. C'est tout ce que j'ai, l'humour, visiblement. OK. OK, ben tu veux-tu accueillir nos invités, Sam? Oui. Je vais aller me passer une eau dans le visage en salle de bain. Non, vas-y, oui, on a deux invités ce soir, puis c'est cool parce qu'ils sont jamais venus. Ils sont jamais venus au podcast, c'est vrai. Ce sont des nouveaux. Alors, des nouveaux. Je veux que vous commenciez, je sais pas s'ils sont prêts, ou j'imagine que oui. Ils sont là, eh sont bien, prêts. Commencez à applaudir tout Faites de suite. Du bruit. Faites du bruit pour Félix-Antoine Tremblay et Claudia Bouvet! Oui, oui. Wow. Allô. Ah. Bonsoir. Bonjour, il y a bien Allô. Du monde. Ben, ça n'a pas de bon sens. On dirait que je suis surpris. Wow. Je veux des vibrateurs. On en a plein, backstage. On en a tout le temps. C'est on en a une cargaison. On n'en lancera plus jamais, ça, c'est sûr. Il y en a ça qui a reçu un vibrateur dans le front? Oui, j'ai pété un verre. C'est vraiment tough. Ça ne me tente pas de revenir à la chambre. Tu sais que c'est pas là que ça va, hein? Non, je sais. Je sais bien. C'est un souvenir douloureux. Merci tellement d'être là. C'est très smart. Hey, merci. Ça fait super plaisir. C'est vrai que c'est le fun de recevoir du monde qui sont jamais venus au podcast. Parce que des fois, pour les lives, des gens qui sont déjà venus, puis là, on sait déjà la plupart de leurs complexes. Mais vous, tout est à apprendre ce soir. Oui. Mais en même temps, déjà, tu as vu, je me suis mis en mou. J'étais en jogging. Je me suis mis chic pour vous. Oui, fait que déjà, merci. Tu vois mon complexe de plaire. J'ai cassé ça ce soir. Ah, oui. Hein? Ah. Mais c'est vrai que c'est la première chose que tu as dit en arrivant. Tu as dit, ah, oh, je t'habille en mou, excusez. Ouais. Je suis pas d'adon, mais c'est finalement, on était en baseball les deux, fait que c'est correct. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. T'es pas mieux que moi, toi. Non, non, quasiment pas. Mais moi, je trouve que ça fit, c'est du mou quand même, vraiment. Ben, c'est un mou chic, là, on se le dit, c'est un autre face. Ouais, mais c'est ça, c'est une ça vaut, marque. Ça vaut cher, c'est mon chum qui me l'a donné pour ma fête la semaine passée, fait ah, que... bonne fête. Merci. Quel âge ça t'a fait? Franchement. C'est indiscret. Oups. Eh hey boy, ça part mal. Non, on veut pas dire nos âges. 37. 37, OK, ouais. Parfait. T'as 37? Oups. Ouais. Tu veux l'arriver, toi? Mais tu fais bien, non, ça t'es va. T'es fine. C'est bien, 37. Mais ça, comment ça se passe? Ouais, on peut faire ça, une parenthèse sur... d'habitude, on a tout le temps un pot de fleurs ici. Puis là, j'ai oublié. C'est mieux. Ouais. J'avais pas vu. C'est pas très radio-friendly, mais j'avais pas vu cet accessoire-là. C'est beau, non, hein? Il est très cabaret, à ma foi. Oui, apporte un petit collier. C'est une petite déco qu'il y avait ici, dans la loge, puis on s'est permis de vous la présenter. Ah, oh, ça vient d'ici? Oui, oui, c'est ça vient, c'est le lion d'or. C'est une... Hip! On va casser de la vitre à soir. Oui. Ah non, mais c'est l'épisode brise-fer. Je touche pas, je touche plus. Ouais. Mais c'est un petit focus visuel au centre de la pièce. J'aime ça. Ouais, Sam, il aime ça qu'il y ait des accessoires. Là, ben, j'aille ça quand il n'y a rien. T'as-tu mis, c'est toi qui as mis la nappe aussi? Non, parce que j'aurais pas choisi bleu marine. Okay. Et je comprends. Mais ce qui est intéressant de se dire, c'est que c'est quand même peut-être des vestiges d'un mariage qui a eu lieu ici. Tu penses, peut-être? Ben, peut-être. Une soirée. Je sais pas si c'est le show de qui avait mis ça... Rachid, sûrement, peut-être. Je sais pas. Mais ça me semble très... c'est quoi? C'est un cabaret, comme ça. Ah, mon Dieu, c'est complètement burlesque, là. Ouais. Oh, moi, je vois des effeuilleuses, On est au cabaret. Tu vois je vois du French cancan, des pompons sur les mamelons. Oui, c'est ça. Peut-être que ça a été dans le crack de fesses de quelqu'un, là. Tu sais, un peu comme, comme une queue de pan, là. Je pense pas, parce que les plumes sont encore très effeuillées. Propre. Mais ça me semble s'il était passé dans une raie. Mais non, mais pas passé de même. Même, je parle déposer là, comme en bout de... Non, vous comprenez ah, pour que chatouiller, je veux dire? Déposer comme en bout. Chatouiller pour émoustiller. Non. Toi, on dirait que tu penses à un rite sexuel. Non, non. Attends, attends. Tu veux dire comme déposer dans l'arrêt pour que ça fasse comme si c'était dans un pot de fleurs. Mais est-ce que comme une queue de renard? Oui. Comme une queue d'animal, dans le fond, là, tu sais, ça part comme ça, puis ça fait une queue, dans le fond, là. T'as-tu besoin de plus d'infos là-dessus? Mais je sais pas, voulez-vous qu'on continue sur ce bout-là? Ou, moi, je pense qu'il y a encore du millage à faire, personnellement. C'est le podcast on peut s'en reparler.
Moi, je pense qu'on est mieux avec un premier complexe. Je pense que ça m'intéresserait plus ça que les queues de plumes, là. Ouais. T'en as-tu un, toi, un premier à nous lancer? Moi? Ouais. Toi? Ben, toi? OK, ouais, j'en ai un. Puis c'est quand même un de mes plus gros. OK, parfait. Mais en même temps, c'est un de mes plus gros complexes, mais aussi c'est celui avec lequel je suis le plus en train de faire la paix. C'est mes poches. Poches? Ouais. En dessous des yeux. Ça. OK. Ah! On avait hâte que tu nous précises. Là, c'est sûr qu'on dirait que je suis au secondaire puis je me fais intimider, tout le monde rit. Fait que je m'ouvre la gagne. Non, mais pour de vrai, moi je me suis imaginé en premier, là, je me suis imaginé des poches comme pour jouer aux poches là, tu sais. Je comprends. Deux poches rouges là. Oui. C'est mes deux poches sont full LED, genre. Ouais, j'ai pas changé de. J'en ai deux en fait. Ouais, c'est ça. Non, c'est mes poches en dessous des yeux, c'est con, c'est puis. Autant que ça m'a dérangé, puis je me disais des fois, tu sais, quand tu te fais dire, hey, on t'es donc bien là, fatigué, t'es là, t'es-tu une grosse. Non, tabarnak, je suis juste poché, esti, laissez-moi vivre. Ouais, ouais, ouais. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à m'imaginer, à me dire, ah ouais, je pourrais me faire shooter en dessous des yeux. Ouais. Activité libre, dans le sens où on a le droit d'essayer des affaires. Puis là, moi, je veux pas tomber là-dedans, zéro, puis une barre, ça m'intéresse pas, puis j'essaie de repousser le moment où je vais me faire tirer parce que. Éventuellement, peut-être que ça viendra. Ouais, des petits fils au-dessus. En tout cas, regarde, on n'est pas fermé à rien. Un fil? Ben, des petits, non, les fils. Oh, là, un fil, là. Un gros fil. Ça s'appelle le cat eye. Là, quand ouais, tu fais, tu mais je dis vraiment n'importe quoi. Hey, les cas. Fils, c'est un gros, une grosse affaire. Non, mais c'est, c'est moins pire qu'un demi-lift. En tout cas, je suis renseigné. Ah, t'as été voir le site web. Là, c'est ça, t'as regardé le site. Non, mais c'est ça. Mais bref, je ne veux pas tomber là-dedans. J'aime pas ça. Puis je respecte vraiment les gens qui ont des injections, qui font des améliorations pour se sentir mieux. Moi, je veux m'en éloigner le plus possible et travailler sur d'autres choses. Puis là, à un moment donné, je commençais juste à m'étirer dans le miroir. Juste voir de quoi j'aurais l'air de même. C'est ou dangereux, genre, ça. Aller sur Facetune, la version gratuite. Oh non! Puis genre, vraiment, m'améliorer le dessous des cernes. Puis je suis comme, je me ressemble pas. C'est pas moi. Puis là, à un moment donné, le travail s'est fait dans ma tête de commencer à me trouver correct avec ça puis que ça fasse partie de ma face. Mais là, depuis que je fais les vendredis au dé, j'ai une confidence à faire. Les vendredis au dé, on tourne dans les studios de RDS. C'est vraiment... C'est de l'éclairage pour hommes, là. C'est de la télé communautaire. Non, mais je sais pas comment dire. C'est vraiment de l'éclairage pour hommes. C'est comme l'éclairage de quelqu'un qui a jamais pensé à l'éclairage. L'éclairage, ça ressemble vraiment, genre, à ça. C'est ça. Oh non, c'est ça non. Que je veux dire. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue au Vendredi au dé. Je suis en pleine forme. C'est vendredi matin. Fait que ça, c'est super confrontant. Puis les caméras de RDS, c'est fait pour... c'est quoi les émissions de sport? Aidez-moi, là. Je peux vous donner tous mise les albums de Beyoncé. Ouais. Non, mais 24 heures. Je sais pas. 24 heures. L'antichambre. Je suis dans le studio de l'antichambre. Merci. Puis c'est ça. Fait que c'est un éclairage d'homme, de monsieur. Puis est-ce que ça te re-challenge ou tu sais, t'en es où avec tout ça? Là? Non, mais j'en suis qu'avec un bon éclairage, ça va être correct. Fait que oui, je t'en paie. Je suis vraiment correct. Faut contrôler l'environnement. C'est un éclairage de cabine d'essayage. Genre, là, ah, tu sais, que mon Dieu. C'est par le haut, puis on voit toutes les ondes, puis on dirait que tu vas te faire opérer sur place. Oui, là, tu vraiment, changes l'angle de ton visage. Oui, c'est ça. Faut se mettre comme ça pour capter la lumière. Là, ça m'écœure en puis dans les cabines, des fois, ça m'arrive. Tu fais, qu'est-ce que je calisse ici? Pourquoi j'ai 10 morceaux? Va courir. Pourquoi j'ai va t'hydrater le visage. Va te teindre les cheveux dans le sens. Hydrater le visage! Non, mais t'as tout à faire sauf t'acheter du linge en ce moment. T'es dégueulasse! Il y a une grosse job de points noirs à faire avant de venir ici. Les pores, là, les pores, c'est des grands cratères cons. Ah oui. Hey, mais je pense que. Il me regarde! Comme help. Help. Non, t'es bon, tu te débrouilles tellement bien, tu sais. Moi, j'allais dire, avez-vous déjà été dans des magasins maintenant? C'est de plus en plus fréquent qu'il y a des éclairages différents sur le miroir dans la cabine d'essayage. Hein? Oui, dans les magasins de sport, souvent, t'as comme gym, quelqu'un outdoor, home. T'en hey? Oui, oui, oui. Chez Nike, il y a ça. Wow. Mais j'ai pas encore vu ça chez Simons. Non, c'est non. Ça. Je te dirais que non, c'est ça. Mais c'est non. Pour que tu vois dans quel vrai environnement tu vas. Ouais, t'es comme, de quoi j'ai l'air au gym? De quoi j'ai l'air dans le club? tu peux tout tester. Pis c'est dans comme, le club. Tu sais, c'est comme jaune, vert, bleu. En montagne. Je trouve pas ça moins épeurant que de me trouver dégueulasse dans un miroir. Non, tu parles des ça. Miroirs de Simons, tu sais, ils sont comme 360 un peu, là. Oui.
360? Oh! Oui, il y en a. Secours! Ben, ils sont, sont de tous les bords, là. Des fois, il y en a comme ça, là. Des fois, je me regarde dans un miroir, puis je me dis, ah, tu sais, je suis pas si pire que. Tu sais, je suis comment en shape? Je suis correct. Non, ça, ça va. Puis là, l'année, j'arrive au Simons, puis là, je vois un angle à 45 d'un angle de mon cul de quelque chose, puis je suis comme. OK. Vraiment, okay. Va courir, ma belle. Ouais. Mais aussi, moi, des fois, mettons que je vais au magasin juste pour le fun, puis là, je me dis, je veux pas vraiment essayer. Puis là, une année, j'essaye. Puis là, je me vois dans ce miroir-là, je suis comme, ah, oh, ben, mes tabarnak, vous m'avez eu, esti. On dirait qu'ils m'ont pris en souricière, là, tu sais. Oui. Puis là, je suis comme, vous vouliez que je me voie? C'est ça que vous vouliez? Puis là, je me regarde. Puis là, t'as vraiment, là, tu sais, une zone de ton corps que jamais de ma vie j'aurais regardé. Puis ça, ouais. On dirait que ça m'insulte. Je comprends. T'as déjà, il y a aussi des miroirs qui changent. Ah, mon Dieu, ben, ça, oui, par exemple. Les proportions. Ça, oui, il y a des miroirs qui sont pas le fun, là. Mais qui soit amincissent ou l'inverse. Ou l'inverse. Amincit, j'ai rarement vu. J'ai déjà vu un miroir qui amincit pour... J'ai rarement vu. Mais... Il est comme... Sinon, je l'aurais décroché et amené à la maison. Amené. J'ai jamais vu ça, là. Je m'en allais dire, tu l'as pris où, ton miroir? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Dans aussi, des magasins? Ils sont comme faits comme ça ou s'ils sont en profondeur ou en plongée comme ça. Ça fait un effet amincissant. Tu sais, quand tu vas dans une cabine de toilette, genre chez Tim Hortons, puis là, t'as le lavabo. Pardon? C'est pas bon. T'as le lavabo pour les personnes en chaise roulante, puis le miroir, il est de même. Oui. Là, t'es comme, fuck yeah! Ça, non, ouais. Moi, je l'aime bien, ce miroir-là. Ouais, ouais. Ah, ça, c'est bon. Ouais, ouais, là, t'es de même, là, comme ça, là. Un beau 45. Ouais. Fait que Sam, il est dans sa zone, dans la cabine de toilette au Tim Hortons. Il est comme, est-ce que je suis moi, sérieux? L'éclairage bleu mauve, dégueulasse. Ça passe. T'sais. Mais aussi, quand tu descends des escaliers roulants, puis tu te vois dans le genre de... Oui, hein? Ben ça, c'est le Palais des glaces à la ronde, là, dans le sens... c'est la Maison des miroirs. En 2002, oui. Oui, 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 la place Versailles, là. Ah oui, c'est vrai. Mais je trouve que l'angle fait que... Toi, tu parles du sport expert au centre-ville. Oui, genre... Je sais pas, là. Ouais, genre, spécifiquement, vraiment juste ce miroir-là. OK, parfait. Mais moi, tu vois, j'ai réalisé que l'angle comme ça, qui est adapté pour... tout le monde, on dirait. Uh-huh. Moi, c'est celui qui me rend inconfortable. Moi, j'aime mieux l'angle de dessous. Mais je pardon? Comprends, tu mesures 4 pieds 2. C'est ça qu'un miroir à 45, t'existes plus. Mais t'es pas comme zip. Bye bye. C'est ça. OK, mais c'est pour ça. T'aimes mieux de dessous. Mais OK, mais t'as un bon point. C'est que si c'est de même, j'ai l'impression que je suis comme écrasée. Ça te fait une grosse tête, genre. Puis un petit... Oui, puis l'angle de mon visage, j'aime mieux en dessous. J'ai comme un nez fin de même. Puis on dirait que quand c'est de même, il est 10 fois plus long. Il est trop long. Tu comprends ce que je veux dire? Ton nez, c'est un complexe? Hey, ça, oh non! Oh non! Oh, sujet c'est crunchy. C'est un complexe, ton nez? Hey, honnêtement, je m'étais Dieu, dit que j'allais... Mon Dieu, t'es fermé, fermé, fermé. Oui, je suis comme... Elle s'est mis en boule. Hey, comme, honnêtement, ça me tenterait de parler de ça. Non, mais je suis sûre que je suis rouge en ce moment, mais je m'étais dit que j'allais pas parler de ça. Je m'étais trouvé plein d'autres petits complexes. Ah, mais on peut parler d'autres choses. On peut parler d'autres choses. Non, mais regarde, c'est pas grave, on le dit. Mais oui, mon nez, t'es trop fin. Mais mon nez, ça a été longtemps... En fait... Je me souviens que ce complexe-là est arrivé au secondaire. Puis je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas c'est quoi l'élément déclencheur, mais un jour, je me suis mis à le regarder et je me suis mis à obséder. Et à ce jour, c'est un complexe qui va et vient selon soit ma santé mentale ou comment les hormones, je me sens, ouais, mes hormones. Il y a des moments où je vais être comme, mais voyons donc, je suis crazy. Je sors un peu de mon corps, je suis un peu plus objective, je me dis, il est super beau. Puis il y a d'autres moments où je suis comme, oh, c'est comme, c'est fou. Ouais, ouais. C'est comme t'as-tu déjà voulu le changer? Ah, mais ça? Oui, mais c'est comme... Mon combat, c'est de ne pas aller là, mettons. Ouais. Puis qu'est-ce que t'aimerais pas de ton nez, mettons? Qu'est-ce qui... Oh. Ben là, si t'es à l'aise de le dire, mais moi, je le trouve super beau, ton nez, j'aurais jamais pensé que... Mais c'est ça qui est fou avec les complexes. C'est ça qui est fou. C'est central, le nez, là. Mais moi, c'est tout le temps mon affaire préférée, on dirait. J'adore les nez. C'est ça. Mais c'est justement, moi, je vais tellement regarder les nez que le mien... Ah, je regarde beaucoup le tien. Oui, puis c'est dans du micro-détail, là. C'est comme ça serait niaiseux de vous expliquer pourquoi je l'aime pas. Mais non, c'est sûr qu'on est là, là. On est en famille. On est en famille. Moi, je peux dire de quoi après, Jaina, si tu veux. OK, vas-y. Avant? Oui, tu non, mais vas-y. Ouais, dis-le donc. Non, mais c'est parce que je me souviens même pas si je l'ai dit ou pas, mais parce qu'on parlait de plonger dans les chirurgies et toutes ces affaires-là, là, tu sais, d'injection. Puis je l'ai-tu dit ou je l'ai pas dit au podcast? Qu'est-ce que t'as fait? Non, mais parce que j'étais allée... Vous savez que j'étais allée me faire du Botox en dessous des bras pour la sudation. Ça marche bien. Ça, je suis supposée le faire parce que moi aussi, je suis vraiment beaucoup des aisselles. Ben ça marche. Ça marche? Oui, ça marche. Puis j'étais allée faire ça. Mais ça sort-tu par ailleurs?
Non. Genre, tu te mets-tu à suer crissement de la je vomis de la sueur tous non, mais les ça sort-tu à quelque part? C'est l'effet secondaire, ouais, vraiment. Je sors, ça coule comme de la cire par mes oreilles. Mais t'aimes mieux là. Mais j'aime mieux là. Mais j'aime mieux là. Je mets des AirPods. Ça, non. Ça tâche pas le linge. Non, non, mais non, ça sort pas ailleurs parce que moi, c'était quasiment comme quand j'étais trop stressée. Ouais. Ça, ouais. Ça fait que c'était même mais pas c'est que ça vient, chaud. Ça vient engourdir la glande, fait que c'est exact. Pas comme si c'est juste ça le met en dormance. Oui, c'est ça. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Botox. Exact. Mais ça marche bien pour vrai. Mais je pense que plus que tu le piques, plus que ça arrête. Mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est que quand j'étais allée, finalement, j'avais comme parlé avec la fille là-bas. Puis là, elle m'avait comme proposé de m'en faire dans le front. Non! Tu l'as fait? Ouais. C'est la ah! Moi, salut le... tout le monde! Hey, moi, je garde le secret depuis 6 mois, je suis plus capable. Elle disait, faut pas le dire, faut pas le dire. Oui, c'est vrai. Non, mais je voulais pas le dire parce que j'étais gênée, mais là, ça apparaît quasiment plus. C'est ça que j'allais dire, ça fait 6 mois, ça apparaît c'est plus. C'est ça, fait que là, je le dis, je m'en crie, ça apparaît plus. Mais vous irez regarder des épisodes, on dirait que je suis comme, wouh! Ça apparaît. Ça t'a déjà aimé ça? Par en arrière? Ben, c'était comme, oui, j'ai vraiment adoré ouais. Ça, là, personnellement. Adoré mais, ça. Non, c'est parce que j'aime pas mon front, pis, mais un petit peu encore, mais tu sais, c'est sûr, ça plisse pas beaucoup, là. Mais non, c'est ça. Mais en même temps, tu peux encore t'exprimer. Je pensais que vous alliez crier quand j'ai. C'est tellement confrontant, cette petite affaire-là. Oui, mais c'est mon dur. Mon Dieu, je sacre. J'ai un verre de vin dans le nez, ben j'étais tout le monde, il fait noir. Puis... ta deuxième ballon. Non, mais je suis un grand ballon blanc, tout le monde. Ben, non, c'est mais ça. Cette émission-là, c'est faite pour sacrer. Non, donc, mais c'est parce que c'est vraiment confrontant de faire oui. J'accepte-tu plisser puis de vieillir ce qui est beau en bout de ligne, là, puis j'ai le discours d'un gars, je sais que c'est toujours plus. Valoriser la vieillesse chez un gars qu'une femme versus la fraîcheur et tout. Puis ouais. Je veux pas prendre la parole pour une femme, mais je me dis, c'est-tu correct aussi de se laisser plisser, vieillir, puis tout ça? Mais en même temps, on a accès à ça. C'est là. Ouais, ouais. Il y a quelque chose qu'on peut éponger, qu'on peut étirer, qu'on peut s'aimer plus au quotidien. Y a-tu quelque chose aussi là-dedans de le fun, tu sais, puis d'arrêter de faire non, 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 non. T'sais? Mais c'est ça, des fois, quand ça prend trop de place, là, moi, c'est que ça prenait pas tant de place que ça. Là, c'était vraiment un caprice. Là. J'ai juste été c'était comme un peu influencée. Là. Oui, puis elle m'a dit que ça aidait pour les maux de tête. Oh, ben! Mmh. Fait que ça, j'ai c'est... pris la balle au bon, sincèrement. Ouais. J'étais comme, ah, ça, j'aime ça, les maux de tête, ça me parle. Tu l'as essayé, j'ai le feeling que tu l'as essayé comme qu'on essaie, genre, de la MD. Ouais! Ouais, mais Sandra avait de la MD. C'est juste pour un soir. Oui. Ça a l'air qu'ils utilisent ça dans des psychothérapies. Je microdose de la MD aussi chaque soir depuis ce temps-là. Non, non. Mais oui, je l'ai essayé un peu comme... de façon légère, là, en me disant ça va disparaître, puis gars, je vais l'essayer pour ouais. Voir, puis elle m'a dit que ça pouvait m'aider pour mes maux de tête. Moi, ça m'a pas full aidé, mais ça doit peut-être être ailleurs que ça m'aide là, pour ma tête, je sais pas. Mais quand même, d'avoir ça d'en face, puis de me voir, je me suis quand même dit, ah, oh, OK, je comprends pourquoi après t'as envie d'en avoir d'autres. Là, mais tu me fais penser, j'ai tu me fais super penser à ma vieille mal en dessous des super yeux. Botoxée. J'ai un mot de j'ai tête. J'ai mal ici, là, des fois, ouais, à la tête. Là. À la... Peut-être que si je me ah, faisais shooter. C'est les sinus ici, hein? Ah, mais ça a l'air que ça peut aider, hein? Oui, ça peut aider. Je pourrais y aller demain. Oui. Non, mais je pense que si c'est vraiment quelque chose qui nous habite au maximum, je pense que dans le sens que tout le monde deal avec les problèmes qu'ils sont capables de dealer. Des fois, c'est comme, hey, c'est trop tanné, là, j'ai envie de le changer, je le change. Là. Mais c'est sûr que c'est un truc à réfléchir. Oui, puis je trouve tout finit par paraître. C'est juste ça l'affaire des fois. Mais je pense que c'est là où. Je pense que le danger, j'imagine, c'est quand tu sais plus. Où est la limite? Ou, ouais, quand, ouais. Quand t'arrêtes, j'ai l'impression que c'est un peu comme quand tu commences à te faire tatouer. Je sais pas de quoi je parle, j'ai pas de tatou, mais tu sais, comme l'envie, on dirait tout le temps. Tu sais, j'ai souvent entendu des amis comme ah, oh, c'est comme une drogue, tu commences, puis tu sais plus comment arrêter de te faire tatouer. Parce que c'est trop mais le fun. En réalité, c'est que c'est la même chose. Je sais pas, c'est quoi. C'est la même affaire. Mais c'est comme là, tu startes, puis t'es comme ah, oh, mais peut-être que ça pourrait être encore plus, puis qu'à un moment donné, tu finis par avoir l'air un peu gonflé, tu sais. Oh, je pense oui. Que c'est comme de savoir quand arrêter. Les tatous que t'as l'air gonflé ou le botox? J'ai un gros serpent d'en face. Non, mais c'est ça vrai que... Gonfle. C'est que ça, je pense que ça enlève comme l'importance puis la lourdeur à l'affaire. Là, moi, c'est vrai de ça. Là, quand j'étais allée en voyage l'autre fois, j'ai voulu me faire tatouer. Puis j'étais comme, ah, oh, deux tatous, pas grave. Un là, un sur le bras, un. Parce que j'en ai déjà. Si c'était mon premier, c'est sûr que je n'aurais pas fait deux. C'est ouais. Gros. T'as brisé la glace puis t'es ouais. Comme ouais, prêt. C'est à... ça. Ouais. Je pense que ça devient moins grave. Super belle ouais. Réflexion, ça. Ouais. De faire la première fois. La première fois que tu te fais faire une injection ou quelque chose comme un tu big deal, hein, puis la moment donné, t'es comme oh bon. Non, ben ça fait pas mal. Si j'en veux plus, ça part. Mais moi, je me pose souvent la question aussi. Mettons, c'est un cas que je deviens accro, ma face gonfle, ça paraît full, tout le monde le sait, j'ai l'air d'un extraterrestre.
C'est-tu grave, tu sais? Moi. Seriez-vous, bon, seriez-vous déçu? Ça, c'est un gars qui a un rendez-vous la semaine prochaine, là, tu sais? Non, mais. Les t'sais... fils, les lèvres! Oh, il est comme. Hey, j'ai grave. Des noms en tête, là. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas grave, dans le sens, c'est ça que tu veux. Ben, c'est pas grave selon moi, tu sais. C'est pas moi qui les punirais, là, tu sais. Oh, oui, oui, non, non. En prison, là. Non, non. C'est vrai que c'est pas grave. C'est pas grave. Mais je sais pas, c'est un dossier que j'ai jamais réussi à résoudre. Désolé. Ouais, dans ma tête, c'est tout le temps ambivalent entre « Ouais, tu deviens-tu accro? » Mais en temps, c'est bien grave de devenir accro. C'est comme l'AMD, hein, oui, comme il dit. C'est pas trop grave de devenir accro. Mais c'est sûr que, je sais pas, je pense que ça doit être sur la ligne là, quand ça t'habite trop. Fait que là, t'as comme pris la décision de juste faire « Hey, garde, je les laisse de même. » Puis pour l'instant... C'est... Ben, c'est ça pour aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu as déjà voulu? Parce que je sais, moi, mettons, j'aime pas tant mes yeux, j'y trouve minuscules puis mes sourcils loin. Fait qu'on dirait qu'avoir des lunettes, on dirait que ça, je sais pas, ça finit ma face. T'as-tu déjà, genre, eu des lunettes? Ou tu oui, dis, j'ai déjà eu des lunettes. Puis là, tu t'es mis. Je me suis fait opérer les yeux. Ah! Oui. La ZIC. La ZIC MD. Pour les enlever. Pour les enlever. Mais tu trouvais pas que ça, ça. Mais là, tu vois, j'avance en âge. Oui. J'en parlais tantôt à Chantal. Je me dis, des fois, j'ai besoin de petites lunettes le soir. Elle est à l'accueil, elle est comme « Allô! » Je suis comme « Ah! Allô! » Il est rendu 8 heures, il fait noir. Bye-bye. Ah, bye. OK, mais lunettes non, de soirée. Non, non, j'aimais ça avoir des lunettes. Je trouvais que c'était cool aussi dans le sens tu varies tes looks puis tu essaies des affaires puis ça change vraiment le casting. Mais ça t'énervait. Ben, c'est les verres de contact, tu sais. Souvent, je faisais du théâtre. Tu sais, j'ai étudié en théâtre, je faisais de la danse quand j'étais plus ado. Voyons, c'est quoi cette phrase-là? Quand j'étais plus jeune, genre ado, jeune adulte, je dansais et je faisais plus de théâtre. Oui, le danseur ado, scène, là. Exactement, oui, oui. Le bon danseur ado, cet artiste convoité très mainstream. Avec ses gros verres de contact, ado, oui, danseur. Oui, et pas de botox en dessous des yeux. Oui. Mais non, c'est ça, fait que j'ai choisi de le faire parce qu'à un moment donné, les verres de contact, j'avais juste mal aux yeux. Puis j'étais rendu, mettons, j'avais des jetables, puis je les étirais là, au point que des fois, je les enlevais. Puis je me disais, c'est-tu ma cornée ou c'est mon verre de contact, là? Fait que ça a commencé à faire mal un petit peu. C'est le plus beau cadeau que je me suis fait de me faire réparer la cornée, finalement. T'en as-tu déjà oublié des verres de contact dans tes yeux? Aïe, aïe, aïe. Mais c'est, ouais, c'est déjà arrivé. Avez-vous déjà vu l'opération de quelqu'un qui en avait genre 67 oui, 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 dans, sur, dans les yeux? Là. Il les enlevait jamais. Vous avez tous vu ça? Ben moi, j'ai vu ça aussi sur Instagram. Qu'est-ce que vous faites? C'est une madame. Ah, mon Dieu, elle a une trentaine cachée ici, puis son verre, là, ils ont comme... Oui! Quoi? Comment? C'est dégueu, mais je sais pas. Elle devait penser que genre ça se dissout au courant de la journée. Faut qu'elle en mette un autre. Sérieux, informe-toi. Elle était dans le déni, là, tu sais. Ouais. Non, mais tu mets quelque chose dans l'œil, tu checks s'il faut que je l'enlève ou je le laisse, là. C'est pas comme j'imagine, ça va partir. Non, c'est pas une petite feuille de Listerine, ma belle, là. Non, non, là. Ah, mais tu vois, là, tu viens de me convaincre de. Je pense que c'est ça qu'elle devait penser, là. Ouais. Que ça se fait. Oui, il y a des produits sur le marché qui fonctionnent comme ça. Oui, oui, j'avoue. Mais moi, j'ai jamais fait ça, là, mettre un verre de contact. Un Listerine dans ton œil. Ça, oui, mais j'étais sur la MD. Je comprends. Mais mettre un verre de contact, non, on dirait que je suis pas game de. J'ai jamais mis ça, moi non plus. Non, hein, mais ça me fait pas. J'ai essayé, mais mon œil est trop petit. C'est ça que moi aussi je pense. J'ai des trop petits yeux. On a mais ça se peut pas, ils en font des petits. Non, mais j'ai tout essayé, là. Merci. Ils en font des petits. Ils en font des tout petits. Ah, le petit verre de contact tout petit pour la petite clé. C'est pour les bébés. Mais c'est vrai. J'imagine que c'est format pour ton œil, là, mais ça doit pas être genre un esti gros verre de contact. Regarde. Puis... C'est ben petit. Non, mais c'est correct. C'est ça le truc. Faut que tu le mettes ici sur ton majeur. Tu tires vers le bas, tu regardes vers en haut, tu te colles ça là-dedans. Bye bye. Non. Ouais. Non, non, non. J'ai encore le bon réflexe, hein? Ouais. Oui, c'était bon. Y a-t-il des verres de contact dans la salle? De moins en moins, hein? Est-ce que les nanas, vous avez mentionné que vous aviez les petits yeux, est-ce que vous avez déjà voulu faire une opération pour se faire agrandir les paupières? Mais là, mais non. Comme avec un exacto, là. Je viens de dire, je suis pas capable de toucher à mon œil. Ah, oh, le couteau, par contre, ça, c'est nice. T'aurais les yeux bien plus grands. J'avais pas ça existait. En Corée, tu dis? En Corée, c'est la grosse mode. Là. Ouais, ils se font ouvrir l'œil? Oui, les Coréennes. Ils se font faire un pli beaucoup. Ah! Un pli? Oui, parce qu'eux, leurs paupières, ils en ont moins de plis, je dirais. Ouais. Hein? Puis eux, ça fait qu'il y a une opération quelconque là, pour venir faire une crevasse ici. BTS, ils ont tout ça, là. Mais là, ah, pour vrai? Est-ce que l'œil ferme encore? Merci. C'était léger, hein? Si l'œil ferme? Oui, l'œil ferme. Okay. C'est juste que ça change la physionomie.
Faut qu'il garde les yeux ouverts 24 heures sur 24. Oui. Mais non, tu vois, comme c'est là que la feuille de Listerine entre en ligne de compte. Pour bonne nuit! Pour faire un petit rideau. C'est comme du, tu pour rafraîchir l'œil là, un peu pour lui. Oui. Pour l'humidifier. L'humidifier, ouais, l'hydrater. Créer des larmes naturelles dans mes cœurs. OK, voilà. Je veux un autre complexe. J'en veux un autre. Ouais, t'as jamais détaillé ton nez. Non, mais finalement. C'est pas grave. C'est même pas important. Non, mais je le ramène. T'as raison, c'est bien correct. Ben, un autre complexe, mettons. Moi, quand j'étais plus jeune, oui. J'étais vraiment. Est-ce que t'étais ado danseur ou non? Je dansais, j'étais ben ado. Oui. Oui. Il y en a juste un comme ça. Hein? J'étais un peu complexée de ma petitesse. Oui. Parce que moi, j'ai jamais vraiment eu de poussée de croissance. T'sais. J'ai jamais vraiment poussé, si on veut. T'sais, c'est comme ça, super graduel. Mais à un certain point, j'étais pendant longtemps, j'ai été vraiment plus petite que la moyenne. Je le suis encore. Mais reste que pendant un moment où toutes mes amies de filles étaient en train de se transformer en petite femme, puis ça se découvrait et tout, moi, j'étais tellement encore chipmunk. J'étais comme le bébé qu'on trimballait. Puis... Ben, c'est ça, on dirait qu'on t'imagine. Là, oh, mon Dieu. Non, mais tu me verrais, puis c'était ça. Là, j'avais même... Ma voix était chipmunk. J'étais comme high pitch. Ouais. C'était comme vraiment... J'étais microscopique. Non, mais arrête, sérieux! Oh, je t'aime. Moi, j'ai une question par rapport à ça. OK, vas-y. Parce qu'on est... Ma caisse de résonance? Non, c'est qu'on est... On est crissement Laurel et Hardy, là. Dans Laurel le sens, notre Hardy, casting c'est est qui, assez... Ça? Ben, je sais, c'est un Oups. Gros puis un petit... Un gros pire. Je te laisse deviner qui. Moi, je suis. OK, non, parfait. T'es la toute petite. Je suis Laurel, moi. Non, mais j'ai une question féministe t'es à poser. Est-ce que c'est cool pour une fille de ta grandeur, parce que tu parles de que ça t'a complexé d'être petite puis d'être menue. Est-ce que c'est complexant pour une fille d'être petite puis d'être menue puis de toujours avoir le rôle de la fille qu'il faut protéger puis envelopper puis fais pas ça, ça, tu vas te faire mal comme si t'étais une femme enfant, ouais. Alors que t'as pas la place pour faire. Hey, pour vrai. Je mesure un pied neuf. Je peux vraiment faire crissement ce que je veux. Oui, me bon, je vais rentrer style. Dans toutes les petites portes que je vais aller au lycée. Avez-vous vu Gen V? La série Gen V? Non. En tout cas, bon, on s'en reparlera. C'est sur Prime. Hein? Prochain épisode. Écoutez-le, c'est super bon. Puis il y a des tout petites... Attends, des tout petites personnes. Non, je vais le dire, c'est drôle. Il y a une personne qui est un super héros, que son super pouvoir, elle devient tout petite. Petite comment? Toute petite? Elle rentre dans des pénis. Non! Elle rentre dans des pénis. Il avait tellement hâte de le dire, lui! Non! Il avait de la misère à le formuler. Il était comme... en plongeon comme ça? Une poussière. Dans le glaive? Il pleure en ce moment. C'est mes verres de contact! C'est mes verres de contact qui collent! Non. Elle devient toute petite. Elle plonge dans les pénis puis elle les fait exploser. Ah, mais... Ça, il l'a pas dans The Boys. Oui, dans The Boys, mais Gen V, c'est la suite. Puis... C'est la suite. Ah, puis il le fait encore il y a plus. Un pénis qui explose aussi. Ah, mais moi, je l'avais vu. Ça peut pas te faire rire autant. C'est impossible. C'est plus à partir de là. Oh, c'est parce que t'imagines que c'est elle qui rentre dans le pénis qui le fait exploser en disant « J'ai pas besoin d'aide! Oui. J'ai pas besoin de personne! » C'est complètement bon. Oh mon aïe, Dieu, aïe, c'est aïe, bon. Aïe, okay, fait que ta question, ta grande question. Mais donc, c'est ça. Féministe. Hey, Seigneur. Est-ce que ça te complexait d'être comme la petite... De devoir être tout le temps protégée, tu sais? Ah oui, mais tout à fait. Mais c'est exactement ça. Moi, jusqu'à longtemps, là, genre peut-être, je pense que j'étais au secondaire, puis on me prenait encore sans me demander mon consentement. Hein? On te soulevait de terre? Comme un bébé, là, on me prenait, puis j'étais comme... J'étais les profs? Non, mais... Non. Madame Tremblay, on va passer du cours d'anglais au cours de français. Allez hop, la petite. C'était mon rêve, moi. Les profs! Moi, j'aurais aimé ça. Sam, il pense son prof dédié, t'es comme, ah ouais, viens, t'as ma chérie. On veut ce qu'on n'a pas, c'est ça qui arrive. Mes non, profs. Non, c'était mes mais amis. C'était amis. Mes amis. OK. Puis, mais oui. Ça reste que c'était assez pour me donner le feeling que je ne pouvais pas devenir une petite femme. Mmh. Tu commences ouais, j'ai tout catché, ouais. Mais tu vois, moi, on dirait que moi, j'en vis plus ça. Là. Moi, c'est sûr qu'il n'y a personne qui m'a jamais pris comme ça. Là. Moi, je peux à la limite, moi, j'étais la personne qui prenait genre des gars dans ses bras à l'école. Ouais. Genre, puis j'étais comme, non, je pense pas ça qu'il faut faire. Je pense pas que ça va être mon chum. Là. Je pense que je ne suis pas pris comme il faut. Mais moi, on dirait que j'enviais cette posture-là. Là. Mais je peux comprendre, mais de moi, en tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que ça m'a affecté un peu dans mon développement puis dans mon assurance face okay. à ma féminité puis d'assumer que je suis en train de me transformer. Puis aussi, je me transformais un petit peu plus sur le tard. Là, j'ai eu mes règles quand même. Je pense que j'ai eu mes règles en secondaire 3. Tu sais, c'était comme...
j'étais plus au ralenti, puis je le ressentais, puis j'étais super mal à l'aise au début de mon secondaire, puis même dans ma sexualité, je me sentais en retard. Puis je sais pas si c'est probablement pas juste à cause de ça, mais je sens que ça c'était comme un frein pour moi. Mais c'est quand même fou parce que dans ce que tu fais, dans ton art, t'es extrêmement sensuel. Oui, c'est ça, j'allais dire. Dans ta voix, sur scène, on dirait que c'est comme un fuck you à tout ça. Mais je pense que c'est comme une reprise de contrôle ou de possession de mon corps. T'sais. Puis longtemps, j'ai été mal à l'aise dans ma féminité. T'sais, même au secondaire, moi, il fallait que je me convainc en sortant de chez nous que j'allais porter une jupe. Puis ça me tentait de la porter ma jupe, puis fallait que je me c'est ça que je me crinque, là, que je me crinque. Puis là, let's go, je suis capable, puis je me sentais belle, mais je sortais pour me rendre à l'arrêt d'autobus, puis là je regrettais, puis je savais que j'allais avoir une journée de marde, tu sais, à cause que j'allais être inconfortable dans mes vêtements féminins. Fait que c'est comme dans mon âge maintenant, tu sais, à mon âge, c'est comme de tout me réapproprier ça. Mais on dirait que c'est fou comment tu dégages complètement l'inverse là. J'aurais jamais cru que tu dirais ça. Je trouve tellement, je te regarde, je suis comme t'as l'air tellement assumé, tellement justement de te crisser de tout ça. Oui, ben je pense qu'il y a une partie de moi que oui, mais après ça, il y a une autre partie de moi qui travaille là-dessus. Okay. Puis qui confronte ce côté-là de moi qui existe, si on veut. Un peu, t'as-tu essayé un peu, genre, fake it until you make it? Là? Genre, je vais mettre la jupe, là, puis à un moment donné, je vais trouver que je l'assume. Ben, longtemps, quand j'étais jeune, je l'ai faite, puis j'étais vraiment inconfortable, mais maintenant, c'est que j'y vais, genre je plonge dedans parce que ça me tente. Ouais. Ça me tente d'être sexy, ça me tente d'aller dans mon côté un petit peu plus sensuel, mais je pense que j'aurais pas été prête avant. Je pense que là, ça me tente. T'sais. Mais c'est quand même dur à faire, là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qu'on ne sera jamais capable de plonger dans notre côté sexy. Plonger dans une jupe. Dit-elle habillée en baseball, là. Marilyn a vu s'habiller sexy, non, funky, mais, là. Non, mais des fois, je réussis à le trouver, là. Oui, c'est quand comme, tu le trouves? C'est dans quel... Pas ce soir, au jour mais... de l'an. Au jour de l'an. Au jour de l'an 2022. Oui, c'est ça. Non, mais des Elle fois... Elle avait mis une robe. Oui, c'est ça. Non, mais le dos était ouvert. Hey boy. Il était même pas là, tu sais. Il s'en souvient. Non, mais des fois, je trouve que c'est quand même dur à trouver. Puis je pense qu'il y a comme plein de monde qui seront jamais capables. Là, est-ce de que le faire. Tu sens que tu es plus capable, mettons, dans des contextes où tu es soit dans ton seul ou dans un cercle d'amis super serré que tu, où tu te sens bien? Tous ou est-ce plus. Que Oui, parce que moi, je sais que, mettons, ça, j'ai commencé à le développer chez nous en fin de soirée avec mes meilleurs amis. On revenait des bars, puis je me mettais en déshabillé avec des talons hauts, puis on dansait dans le salon. Puis ça commençait avec ça. Mais c'est... Ouais. Puis après ça, elle a amené ça sur Zénith. Ouais, c'est ça. Non. Mais moi, j'aime ça, ça. Mais c'est non. fou parce que moi, je dirais complètement l'inverse. Oui, c'est ça que j'allais moi, dire aussi. Moi, genre, catapulte, moi, à Budapest, là, je vais m'habiller sexy. Ouais. Mais attends, mais je veux pas voir personne que je connais, là, tu sais. Ouais. Non, je m'essaye, regardez-moi pas, là, tu sais. Je suis un peu de même aussi, mettons. Juste que ce soit des inconnus. Plage nudiste, aucun problème. Ici, jamais. À Vancouver, oh, ouais, merci. Oui, c'est ouais, ça. Exactement. Mais t'aurais le goût de le faire ou tu l'as déjà fait? Oui, je l'ai déjà fait. Où ça? Yes. À Cancun. T'avais-tu une petite personne petite qui rentrait érection, dans ton oui. plan? Si j'avais une petite personne qui est rentrée dans mon pénis. Qui l'a fait exploser? Non, malheureusement. Mais non, à Cancun quand même. À Cancun? Ah, t'avais-tu ouais. peur qu'il y ait des Québécois? Ben, j'ai tout le temps peur qu'il y ait des Québécois, mais tu sais, j'étais pas en mode plage nudiste. J'étais en mode je me mets tout nu moi-même dans une zone où il y a personne. Ah, t'étais pas sur une plage. Tout le monde était habillé, puis toi, t'étais tout nu. Non. Il y avait plein de Québécois, puis j'étais autour de la piscine. Non, j'étais en... Ça va être l'extrême. J'étais en mode hike. OK. OK. Non, non, dans la Il était au Mont-Saint-Hilaire. Mon Dieu, j'ai peur qu'il y ait des Québécois. Il y a tout non, des mais Québécois un hike ici. de plage. Là, j'étais, plage. Comme, j'étais un peu plus loin. T'étais il n'y avait personne. Seul? Oui, j'étais tout seul. Oh, c'était ça le trip. Okay. Moi, je vois pas. Hey, Chris, vrai, j'ai fait le chalet. Cute. J'anime une émission jeunesse de science à Radio-Canada. Je peux pas faire du nudisme, moi. Je suis même pas censé parler avec un verre de vin dans le nez. Je suis pas censé faire ça. Fait, pis j'ai très peur de ça. Ah oui? Tu sais, tu parles de complexe. Je vais t'en dire un complexe. J'ai très peur de scraper tout ce que j'ai bâti, puis l'image que j'ai, puis la crédibilité que j'ai chez les jeunes. Ça me fait énormément peur. J'ai pas ce tempérament-là d'être dans l'excès. J'ai pas ce tempérament-là d'aller dans des zones qui me mettent en danger ou qui me mettent vulnérable. Je parle de drogue, je parle de trop d'alcool, tout ça. J'étais un gars, j'ai du fun dans la vie. J'en fais des trips.
vraiment. Puis j'ai du fun, puis j'aime ça. Mais à chaque fois, j'ai peur. J'ai peur de parler de ça. J'ai peur de m'ouvrir. J'ai peur de choquer quelqu'un. J'ai peur de dire que je suis allé... Tu sais, je vais à SQDC, mettons, m'acheter mon petit 97 % de CBD, 2 % de THC. Cool, mon calcul, c'est le fun. c'est un ado danseur, hein? Oui. non en mathématiques. Peut-être que c'est ça qui va te faire perdre ta job pour les jeunes, là, tu sais. Hey, écoutez Curium, tout le monde à Radio-Canada, une émission de science. mais non, tu comprends, tu sais, c'est des affaires que j'ai peur, tu sais, puis que je me dis, hey, en même temps, j'ai le goût d'être le modèle d'une vie saine, équilibrée. Ouais, un vrai modèle qui existe, tu sais. Mais en même temps, tu sais, c'est ça. Fait que pour moi, t'as envie de vivre ta vie? J'ai envie de vivre ma vie. Mais tu sais, je la vis full bien. Mais tu sais, c'est sûr que moi, aller à Cayo Coco tout nu, ça sera pas mon projet, là. Oui, je comprends. Je comprends. Mais tu l'as fait un peu. Mais en mode hike. Oui, je le fais. Tu sais, mettons quand. Isolé. Si vous me voyez me baigner. Mettons que quelqu'un vient dans le sud, vous me croisez. Si vous me voyez me baigner un petit peu au large, là. Ça des fois, je fais de ça en dessous de l'eau. J'enlève mon maillot, je monte ça à mon chum, je suis comme. C'est ça. Mais ça me fait penser, moi, quand j'avais été à Hawaï... Hey boy! Pas sûr. J'avais été à Hawaï tout seul, puis je m'étais fait griller sur le bord de la plage. Tout nu? Non. La grosse anecdote, toi! Ça me fait penser... Ça me fait penser... Une fois, il y avait du soleil. Et j'étais là. Comme toi, Philippe. J'y étais moi aussi. Non, mais c'est parce que... J'étais à Budapest. Non, j'étais à Honolulu. OK. Puis j'étais... Non, mais c'est de la merde, ton anecdote, sérieux. T'étais juste à la plage. J'essaie de connecter avec Félix-Antoine. Oui, oui. C'est parce que... Non! Moi, je trouve qu'on connecte full, hein, parce que moi aussi, je me mets bien sexy quand je suis ailleurs. J'ose plus d'affaires. Ben c'est ça, c'est parce que je me trouvais... Moi, je me serais jamais fait griller sur une plage au Québec, là, tu sais. Oui, mais là, vu que j'étais seule à l'étranger, je me suis donné le go. Et puis, j'ai omis de me crémer. Fait que j'ai pogné un gros coup de soleil. Je me suis endormie, mais je me rappelle de ma séance de grillade et j'étais très fière de moi à ce moment-là de est-ce que tu as eu un vraiment, petit moment un peu en dehors de ton corps, un peu comme dans un film, tu sais, t'es-tu comme vu sa plage? T'es dit wow. T'es fait comme je suis là. Oui, oui, oui. Je me suis vraiment sentie citoyen du monde. Oui. Avec vraiment aucune barrière. Non, mais j'ai une vraie question. Je peux faire ce que je veux, je repars à neuf. T'es-tu fait attaquer par un pélican? As-tu rencontré quelqu'un qui t'a offert de prendre une drogue locale, qui t'a amené dans une tente vivre une expérience complètement intense? Non, je te dirais, j'ai été souper chez Subway, puis après, j'étais au cinéma. C'est quand même ma soirée de rêve. Il y avait comme un gros coup de soleil ici, là. J'étais comme, c'est assez d'expérimentation pour aujourd'hui. Je m'en vais au cinéma. Voir les Minions, c'est ça? J'ai été voir beaucoup de films. J'ai été voir le film Straight Out of Compton. J'ai été voir le film un film d'espion. Tout nu? Non, le soleil était couché. J'étais plus en mode grillade. Non. Mais moi, le nudisme, non, j'ai jamais essayé. Mais ça aurait été ton genre. T'es-tu un peu exhibie? Non, vraiment. Faut-tu être absolument exhibie pour aimer ça, faire du nudisme? Faut-tu? Ben, parce là... que c'est-tu le plaisir de ne pas avoir de linge sur le dos ou c'est le plaisir d'être vu? Ah, OK. Nu? Ben, je pense que ça peut être les deux. OK, ouais. Mais donc on peut faire du nudisme sans être exhibitionniste? Ben, ça doit dépendre, genre se baigner dans une piscine la nuit, il fait noir, personne te voit tout nu, ou aller à la piscine folle puis enlever ton top. Ouais, c'est ça. Peut-être mais que c'est pas le même genre de deux pas deux mesures. Hein? Oui, c'est ça. Exhibitionniste, c'est-tu que t'aimes ça automatiquement quand les gens te regardent ou c'est juste que t'aimes ne pas avoir de vêtements sur le corps? Je pense que t'aimes montrer ton corps. T'aimes montrer ton corps? T'aimes peut-être la super, possibilité que quelqu'un te voit. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous êtes... Oh, j'ai une bonne question. Êtes-vous plus... Est-ce que vous êtes plus voyou ou exhibitionniste? Voyeur? Voyou? Moi, c'est voyou. Est-ce que vous êtes mieux... Elle a dit ça en se roulant en couette. Est-ce que...
que... Est-ce que vous êtes plus voyou? Ça, je frise. Personnellement, très voyou, oui. Est-ce que vous aimez mieux voler une palette de chocolat au couche-tard ou être tout nu? Les deux, hein, après bon, l'autre. Ça. OK, ben, on peut en avoir trois de bon. Voyou, voyeur, puis exhibit. Moi, je suis voyou. Moi, je vole beaucoup chez Maxi. Voyou. Ah oui. Je scanne un article sur deux à Caisse Libre-Service. Voleuse. Yes, bébé. Yeah. Ouais, voleuse. Moi. Un avocat sur deux. Mais non, plus qu'être tout nu, oui, non. Mais voyeur. Voyeur. Un peu, oui. Ben, plus voyeur qu'exhibitionniste. Oui, ça, c'est sûr. Oui. Ah ouais? Oui? Moi, je suis plus exhibitionniste. Moi, je pense que je suis plus exhibitionniste. T'es mieux peut-être te faire pogner. Oui. Le gars avec son maillot qui dit que c'est une anecdote se faire griller sa plage. OK, mais... Je pense que je suis exhibie, mais non. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon voyeur? Mais faut que tu... C'est quoi cette question-là? Faut que tu puisses repérer ça prend les bons fenêtres. Yeux. Des bonnes fenêtres avec des rideaux un peu entre toi. Ah non, mais tu sais, des longues vues. Genre, des longues vues. Mais faut avoir autant confiance en soi pour être exhibitionniste que voyeur. Parce que, mettons... Tu sais, voyeur, là, c'est genre, tu te fais inviter par un couple, puis là, tu t'assois dans le coin de la chambre. Wow, attendez un peu, ouais, là. Hey, it go... That escalated quickly. OK, je recule. T'es check. C'est pas ça? Non. Mais c'est aussi de promener non, dans... Hey, vous avez comme deux niveaux, hein? Il y a comme... Mais okay, non, mais quelle autre sorte de voyeur dans le tout, dans au bout! Hey, moi, je pensais genre, j'étais à l'hôtel, je vois du monde fourrer l'autre bord dans la fenêtre, j'y regarde. Ah, cochonne, OK. Ben, là, c'est là que ça sort. Mais moi aussi, j'étais plus en mode organique. Ben oui, lui, il est comme, tu vas chez des gens, tes yeux sont bandés. T'es dans le... Je suis complètement 50 Shades of Grey. Mais c'est intéressant aussi, là. Mais ça, non, mais c'est moi, je l'ai vu comme quatre étapes plus loin. Oui, là. C'est ça. Je l'ai vu soit, mettons, je me fais regarder en train d'avoir des ébats sexuels avec mon chum, ou je regarde des gens avoir. Ouais. Parce que, tu sais, il y a des places à Montréal comme ça. Il y a Plan B, je pense que ça s'appelle, où c'est comme une soirée. C'est pas la série à Louis Morissette, ça? Oui, entre autres, oui, mais ces gens là-dedans, faut que tu passes quoi, c'est compliqué. C'est un bar. C'est ça. Puis c'est genre une place comme ici, comme au cœur de jour, c'est utilisé comme une salle de réception. Puis il y a des soirées là-dedans où genre il y a des, à un moment donné, il y a 80 homosexuels qui spinnent là. Ah, c'est pour les. C'est homo seulement. C'est une place gay seulement. Je pense que oui. Je parle peut-être à travers mon chapeau, dans le sens que je suis jamais allé. C'est vrai, c'est pas une joke. Non, j'ai non. rien croisé. Mais, tu sais, mettons, je m'imagine des fois, parce que, encore une fois, je ramène ça à ma job, à ce que je fais, à ce que je suis fier de défendre. Tu sais, il y avait une partie de moi qui est curieux, là. Qui serait comme, ah, je vais aller voir ça. Je veux dire, je suis curieux d'aller explorer les fonds marins. Je suis curieux d'aller dans une soirée échangiste aussi, là. Mais je comprends. Je veux dire, un plus un. Puis, mais je suis comme... Si quelqu'un te voit là. Moi, je pense que. Oui, mais nonobstant ça, je pense que je suis plus exhibitionniste. J'aurais plus de fun à me faire regarder qu'à être planté devant du monde puis aller regarder. Ouais. Ah mon Dieu, c'est non, pas moi. C'est sûr que je veux regarder. C'est l'inverse aussi. Ouais, faudrait t'amuser à la lumière. Oh, vous voulez regarder? Ouais. Moi, j'aimerais ça faire la démonstration. Fait que. Ben là! On pourrait le faire puis vous le regarder. Exactement! Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça va être le bonus! On a un plan? Ça va être le bonus! Moi, j'ai une question. C'est-tu masqué? Tu peux-tu être masqué là-bas? C'est à ta guise. Mais toi, t'apportes. Sam, il veut savoir s'il peut garder son costume de bain. Oui, c'est ça que j'allais dire, mais il faut que tu amènes ta crème solaire. Il faut apporter son propre matériel. Ça veut dire que toi, là, mon petit bonhomme, là. T'es confiant en vraiment là, ta façon d'exécuter une relation sexuelle au point que tu penses que t'es comme « Checkez-moi! » C'est intéressant, mais quand c'est même! C'est pas un cours non plus, là! J'ai mon voyage! Non, mais je trouve que regarder, c'est plate. Faut juste que t'aies la passion. Si t'as la passion, t'as pas besoin mais regarder, c'est plate. Tu sais, si t'as la passion, si t'es passionné, dans le sens... Si ton tu sais, je veux dire, si ce que t'offres est passionné, les gens vont être à l'écoute. Oui, ça peut être intéressant, là. Parce que visiblement, le point de vue est départagé de part de gens qui se considèrent comme femmes et de part et d'autre de gens qui se considèrent comme hommes. Oui. Est-ce qu'il y a une affaire avec la pornographie qu'on sait que les gars sont plus habitués de regarder de la pornographie? Fait que nous, regarder ça, on est comme plus parfait. Déjà fait. Déjà on fait. On est dans l'action. Peut-être. Faites le tour. Peut-être. Ouais. Peut-être. Peut-être.
temps, tu sais, je présume pas que les filles vous regardez pas. Mais c'est ça. Marilyn est comme peut-être. Mais elle a une pile de DVD de même à la maison. Hein? Des questions. Non, mais je veux dire, peut-être. D'ailleurs, que c'est t'as des frais de retard en hein, oui. Ça. Ton bill est très élevé. J'ai vidéo. Oui, c'est ça. Mais c'est une question intéressante. Mais non, mais j'en écoute, là, comme tout le monde, mais je me demande peut-être Mais là. Cochonne. Ce qui est fatigant. Tu vois, je ne vois pas en vieille sorcière. Ouais, continue. Non, c'est tout, là, je sais pas. Là, ça m'a vraiment troublé que tu dises qu'on voulait qu'on te regarde. On dirait que de tout le monde, c'est normal, mais de toi, non. Touche-toi un peu, là. Oui, vas-y, là, on te regarde. Je sais pas, je me suis vraiment visualisée dans le coin de la chambre en train de regarder, puis je trouvais ça plate. On dirait c'est que... Comme... C'est vraiment un enfant qui est comme, c'est plate, même... je peux suis vraiment jouer, même place que toi. C'est ça. Oui. Je suis on dirait que l'autre rôle est plus émoustillant à la base. Là, c'est t'sais. Pas en mode, regarde, je vais te montrer comment on fait. Non. Alors, tu sais, c'est plus, ben, je vais faire mes affaires, puis... Mm-hmm. Check ça, là. Oh, j'aime ça! Il y a comme un... Il y a un layer supplémentaire. C'est comme, mettons, je suis au gym. Je vais prendre ma douche. Hey, non. Je vais prendre ma douche. Je suis tout nu derrière le rideau. Ouais. Imagine qu'un homme se trompe, puis comme... Là, il ouvre le rideau, puis je suis comme... Ah! Tu sais, c'est... Tu sais, ce sentiment-là de se faire surprendre. Ah! Il est plus excitant que juste regarder. T'sais. Mon Dieu, on est vraiment la même personne. Bon. Ça mais t'aimes peur. Pas mieux, toi, ouvrir le rideau puis voir l'homme tout nu dans la douche? Non, parce que je vais me sentir mal, on dirait. Pour ce scénario précis. Mais si un beau monsieur ouvre le rideau sur toi qui est en train de te savonner, genre en dessous du talon ou entre la craque de cul, tu vas être comme « Yeah! » Ben, pour vrai, oui, à moins que ce soit pour me casser la gueule, c'est sûr ça serait dommage. Ouais, oui. Mais si c'est pas me donner des becs dans le cou, pas de problème. Oui. OK, je comprends. Ouais. Je comprends ce que vous dites. Mais moi, je suis un peu l'inverse. Moi, je pense qu'on est plus à la même longueur d'onde. Oui, on est plus comme on veut checker. Je veux juste checker. Mais c'est aller dans le coin de la pièce. Ouais. Faites donc vous allumez un badge, genre? Oui. Non, bien à jeun. Un gros bong. Pas. Un bong. Ah, mais ça, c'est vous deux. Hein? Let's go, les boys. Ah. Eh ben, je me rappelle pas pourquoi on parlait de ça. Je sais on pas. A chiré. Moi, je vais aller pisser. C'est le parfait moment. Tu la couvres? Oui, c'est parfait. Mais t'as-tu un autre complexe pendant qu'elle va pisser? Oui, j'en ai plein. Oui, t'en as d'autres? Moi, j'ai un complexe. Oui. On vient de commencer l'épisode. Est-ce que t'aimerais mieux... Voyou, voyeur, non? En tant qu'ado danseur. Oui? Quelle est ta préférence? Non, j'ai un complexe. Mais voyons! T'es-tu... Je peux pas dire ça. T'es pas game de le dire. Oui. Non, je peux pas dire ça. Ah, tu le diras pas? Mais j'en ai plein. OK. Mais lui, tu le diras pas. Non, je le dirai pas. Tu peux pas le dire à cause de Curium. Ah... Ah, les auditeurs de Curium vont peut-être voir ça, là, tu sais. C'est sûr que c'est rough, là. Ah oui, je comprends. Non, je vais y aller avec quelque chose de plus safe. OK. Non, je suis complexé depuis longtemps de mes oreilles. Tes oreilles. Ah, OK. C'est rare qu'on entend ça. C'est vrai. Quand j'étais jeune, tu sais, moi, j'étais quand même une échalote. J'étais mince, grand, des grands bras spaghettis qui savent pas où se mettre. Puis... j'avais les oreilles décollées. Vraiment, je pourrais vous montrer des photos. Là. Moi, aujourd'hui, je me trouve cute à mort. Si j'ai un enfant, je voudrais que ce soit moi, là, tu sais. Mais à l'époque, je suis comme, mon Dieu, c'est vraiment deux grands crises de panneaux de grange, tes affaires-là. Tu sais, moi, je viens de l'époque... Mon Dieu, je viens du passé ou quoi? Oui! L'époque. Comment t'es venu ici en charrette? En charrette. Oui, c'est ça. J'avais un cheval de blessé. D'habitude, j'en ai deux, mais bon. Oui, il y en avait juste un. Jello, il y avait le genou magané. Merci. Jello? Ouais, Jello puis on sprint. Parle des oreilles. Ouais, puis j'avais vraiment... On parle de quoi? On parle des oreilles. Jello puis quoi? Mes chevaux. Je suis venu en calèche. Okay. C'est une longue histoire. C'est long. T'avais vraiment beaucoup envie de pisser. Oui, c'est ça. Non, puis j'avais des grandes oreilles quand j'étais au secondaire. Je me faisais écoeurer. Puis ça. Ouais. Puis c'est encore les mêmes oreilles. Décollé? T'as encore les mêmes oreilles? Non, mais j'ai les mêmes oreilles, mais là, le reste a équilibré. Tu sais, je suis comme, OK. Mais mettons, je venais de l'époque, donc, où on se faisait vraiment des coupes bol, fait que rasé, là, tu sais, en même temps, j'ai tout le temps la même coupe
l'été d'habitude là, que j'avais quand j'étais jeune. Mais bref, tu sais, l'enfer sur les oreilles et la boule sur le dessus de la tête. Fait qu'on dirait que c'était encore pire. Puis c'est ça, je me faisais bien écœurer à cause de ça. On a des photos de ça? Ah mon Dieu, ben oui, moi, en cinquième année, c'est ma pire année. J'ai un polar à peu près comme ça. Trois couleurs, bleu, marin, rouge, vert. C'est super traumatisant. Le fond d'écran, c'est une map monde. Devant moi, c'est un écran, un clavier d'ordinateur, genre tape-touche. Là. C'est pas les claviers gros, d'aujourd'hui. Là. Tac, 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 tac. Puis j'ai le dos courbé, j'ai une coupe champignon, j'ai des lunettes, j'ai les oreilles décollées. J'ai les dents croches, on dirait que... Oh, je suis nostalgique. Comme... On dirait qu'on m'a donné... Moi, mes dents, on dirait que j'avais... Quelqu'un a pris une poignée de... La fille Morenne, la fille qui a passé dans mon berceau. La fille. Elle avait une poignée de dents de même. Elle a fait... Schlap! Coup de pelle! Tac! Avant que j'aie des broches, c'était ça, mes dents. Ah oui, hein? C'était vraiment ça. T'as eu quoi? T'as-tu apparaît dans le palais, broche tout ou juste broche? C'est quoi j'ai ton... juste eu des broches pendant juste deux ans. Broches? À 17, de 17 à 21. Ah, oh, c'est le temps! C'est une thérapie? Mais aussi... On, hey, regarde, on classe des dossiers. Mais aussi, t'as dit pendant deux ans, de 17 à 21. Ben, c'est comme mon CBD, mon THC, 97,2. J'enlève tout le temps un. Hey, c'est un... T'es en train de m'intimider? Non! Il y a un dossier qui sort sur la presse sur toi. Mais je sais que t'es un scientifique, fait que j'essaie de ouais, dire à toi. C'est pas moi qui est un scientifique. Non, je vais rencontrer des scientifiques. Mais oui, ouais, en tout cas, bref, j'ai eu des broches, c'est moi qui les ai payées. J'avais trois jobs en même temps. Je travaillais au Aldo, au sex shop dans un demi-sous-sol à Détroville. Mais voyons donc, au sex shop. Au cabaret Cléopâtre sur Saint-Laurent. Pour payer des broches. Ah, mais là, t'étais. T'as travaillé au café Cléopâtre? La gang. Ouais, j'ai été serveur dans des soirées fucking intenses. Ouais. Oh! Je me souviens de Brenda, la serveuse, la barmaid en chef, qui était une femme transsexuelle extraordinaire, mais mettons, c'était une ma tante, c'était ta ma tante, là, super belle, mais dans le temps, ça fumait en dedans, fumait des clopes à la caisse. Elle était comme, bon, OK, fait que là, ça part à soir! Puis genre, c'était une soirée BDSM latex. Hey. Ouais, non, c'était vraiment. En tout cas, T'avais quel âge? J'avais 18. Ouais. Non, j'avais 18, exact. Toi, tu suis en tabarouette. Hein? Ouais. C'est quoi ton nom? Je t'adore, Vicky. 18. T'avais 18. J'avais genre 18, ouais. Fait que, pour payer tes broches. Ouais, je venais d'arriver à Montréal. J'ai commencé. Puis moi, je voulais quand même savoir comment ça se fait que tu étais attiré de travailler dans un sex shop. Puis cabaret Cléopâtre, y avait-tu comme un. Pourquoi le Aldo aussi? Moi. Ouais. Plus pourquoi le Aldo, là? Regarde, je suis un épicurien. Je prends tout. Mais ça devait être non, un mais peu... t'étais à l'aise. Moi, j'aurais jamais été capable de travailler je là. Je sais pas ce qui est arrivé, man. Sérieux, je pense qu'au départ, moi, je viens de Chicoutimi. Je suis parti de Chicoutimi à 17. Je travaillais chez Aldo déjà à Chicoutimi à Place du Royaume, le 10-11, le numéro de magasin. Je les connais tous. Puis c'était cool. Puis j'ai été transféré. Aldo, c'était ça qui était le fun. C'est que je pouvais être transféré à Montréal. Fait que je déménage à Montréal. Je m'en vais étudier en théâtre à Marie-Victorin. Je suis comme, oh yes, je peux garder ma job. C'est quand même nice de travailler chez Aldo plutôt que d'aller travailler genre chez Shell. Oh, ouais. Fait que. Puis là, j'étais comme, OK, parfait. Puis de fil en aiguille, à un moment donné, je travaillais dans des Aldo. Puis là, à un moment donné, j'ai voulu avoir des broches. Puis là, j'ai trouvé d'autres emplois. Je pense que, pour répondre à ta question, l'emploi du sex shop dans un demi-sous-sol à Tétroville, c'était un contact d'une fille à Marie-Victorin. OK. C'est mais mon souvenir. Mais ça devait être Cléopâtre. Café Cléopâtre, bien, c'était mes premières années dans le village. Mm. Bien festif, toujours chez Mado, toujours au Unity, toujours partout. Ben... Fuck yeah! Yeah! Out and proud, quoi! Puis, Mais il devait avoir un petit aspect de, si tu voulais vraiment faire du cash, une façon de travailler jour et soir par moment. Exactement, là, c'est, exactement. Aldo c'était Cléopard. Ça. C'est que je travaillais tout le temps, finalement, je suis pas allé à l'école. Ah, non, voilà. Fait que c'est ça. Fait que de toujours être dans les bars, dans le village, tout ça, puis de connaître du monde. À un moment donné, je me suis ramassé au cabaret Cléopard. J'ai travaillé là une couple de mois, puis j'ai adoré ça. Puis j'ai eu j'ai des belles dents maintenant. Oui, c'est ça. T'as une grosse job de dents. Puis je pense que c'est moins pire. Moi, on dirait que si j'avais pu avoir des broches juste un petit peu plus tard dans ma vie, pas au secondaire, ouais, je pense que j'aurais aimé ça quand je même. Comprends. T'en as-tu au secondaire? J'en ai eu au secondaire, oui. J'ai eu l'appareil dans le palais, l'appareil en avant-dessus. Salut, Marlène! Marlène. Je suis capable de vous prendre dans mes bras! Tu sais, c'était ça un peu. C'était pas tant sexe, ouais, là. C'était pas moi tant aussi, ça. J'ai eu tout. J'ai même eu le full face. Ah ouais? Hein? Comme dans le vidéoclip de Katy Perry, là? Genre, mais pas autour de la tête, mais c'était comme il y avait une plateforme le sur le globe. Front, puis sur le menton, puis la barre de métal, puis les,
Puis là, t'achètes des élastiques. Mais pas le jour, là. Mais ça, ça n'existe plus. Les gens sont sous le choc. Hey, non, mais sais-tu... Mais parce que c'était pour avancer ma mâchoire d'en haut. Parce que ma mère, elle a une classe 3. Fait que ça, c'est quand la mâchoire n'en comment pas vous est dites? Bien avancée. Une classe 3? Une classe 3. Elle s'est fait opérer. Elle s'est fait casser la mâchoire pour pouvoir... pour pouvoir avoir une mâchoire qui se ferme qui comme se ferme comme faut, OK. Hey, c'est violent. Fait que moi, j'ai pas eu ça, heureusement, parce que je pense que vu que ma face était en formation, ouais. Tu sais, l'extension palatine comme toi, je pense que t'as eu ça toi aussi. OK, tu connais ça en tabarnak. Ah, mais oui, moi, non, mais j'ai eu des broches deux fois. Pendant un moment de ma vie, j'ai eu plus de temps de broches que pas quand j'étais jeune, là. Ah, tellement que j'en ai eu longtemps. Non, mais si t'as eu celui full face plus tout ça, là, ouais, c'est long. J'ai là. Eu la petite file. J'ai tout eu. Mais là, attends, le full face, tu le portais-tu genre à l'école? Non, ou... mais ça, c'était au primaire. Puis l'orthodontiste m'avait donné cet appareil-là, full face, puis il m'avait dit, inquiète-toi pas, tu peux le porter juste la nuit. Et moi, j'étais déçue parce que je voulais le porter à l'école devant mes amis parce que je voulais de l'attention. C'est ça! C'est la fille qui a porté des plantes quand elle n'avait pas de besoin. Oh, je voulais me casser une jambe. Oui, je voulais des lunettes. Je m'en reconnais. Mais t'es pas la seule. Il y a plein de gens qui me... Moi, je me pitchais dans le ditch dans ma cour d'école pour me casser la cheville. Je me reconnais là-dedans tellement. Moi, quand j'ai. Oui, mais là, à 9 ans, quand là. J'ai eu mes lunettes pour la première fois, j'ai menti à l'optométriste. Ah, mais moi aussi, j'ai quel fait ça, côté par exemple. Vous voyez le mieux? À droite? Non. Gauche! Pour avoir des lunettes aussi, pour attirer l'attention. Oui, mais là, je dis à ma mère, je vois vraiment, t'es tout petite, je te vois, t'es loin, loin, loin. Je me souviens d'avoir dit ça, puis est-ce que j'ai des lunettes? On est pareil. Mais est-ce que vous avez réussi à mentir assez pour avoir les lunettes? Moi, j'ai eu des lunettes. Ouais, mais j'ai eu j'ai lunettes besoin à cause que j'ai menti à la base. Oui, oui. Toi aussi. Moi aussi. Parce que moi, ils n'ont pas voulu, ils m'ont pas cru. Mais t'as mal menti. Ça n'était pas bonne. J'ai mal menti. J'ai comme vraiment dit que je voyais rien. Finalement, quand je suis revenue chez nous, il était comme, ben tu voyais rien, mais à comme 0.0005, genre de quoi qui n'existe pas. T'auras pas de lunettes, ma oui, chérie. Oui, dans ce temps-là, c'était une petite claque ça y est. Ouais, comme, tu vois maintenant, ça lui va jouer dehors. Oui, oui, là. Fait que j'ai pas eu de lunettes. Mais là, le full face, tu l'as-tu? Attends une minute. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous trouviez ça hot au primaire de boiter des fois? Genre, que... t'arrives un jour, « Ah, je me suis blessée, mais pas de trouble, qu'est-ce que tu disais? Ouais. » Je comprends très bien ce que tu veux dire. Moi, je suis déjà arrivée avec comment t'appelles ça, là, le truc Game Boy? Là? Un Game Boy. Un Game Boy? Le truc Game Boy! Je suis déjà arrivée avec un Game Boy Special Edition Pokémon. Oh, oui. Oh là là! Oh, ouais. Puis je suis arrivée, puis j'ai sorti mon sac en me disant, je me souviens, genre, j'étais en maternelle, ou première année, je me souviens de me dire, je vais le sortir, puis je pense que je vais être vraiment cool. Fait que je l'ai sorti, puis j'ai fait ça de même. J'ai commencé à pitonner, et il y a un petit gars qui est arrivé, il s'appelait Pierre-Alexandre, puis il m'a regardé, puis il m'a dit, tu veux te sortir avec moi? Puis j'ai dit oui, mais je voulais même pas sortir avec, mais j'ai dit oui. À cause que t'avais ton Game Boy. De Pokémon. Oui? De Pokémon. Pokémon, oui, excuse-moi. Pokémon. Qu'est-ce qu'il y avait dessus? C'était-tu j'ai aucune idée. OK. Moi, je sais même pas si il était pas allumé, là. Je sais pas, là. Moi, j'avais... Parce j'ai que je pense que si tu l'avais ce soir, Sam, il t'aurait demandé la même affaire, je pense. J'aurais dit oui. Qu'est-ce qu'il y avait non, dessus? Non, mais ça m'intéressait beaucoup. Parce que tantôt, quand tu parlais de ton full face, j'étais comme, oui. Ah, puis qu'est-ce que tu faisais le soir? Genre, t'écoutais-tu Pokémon? J'y ai pensé dans ma tête, puis je me suis retenue. Mais tu veux savoir une drôle d'anecdote? Oui! J'étais pas la seule à avoir un full face. Mon frère aussi avait le full face. Hein? Fait que les deux, on avait nos full face. Oh my God! Puis des fois, ça irritait parce qu'on bavait la nuit. Fait que on trouvait des alternatives pour se mettre genre des... On se mettait des Kleenex pour que ça mon frotte Dieu. Moins. Fait que, mais tu sais, on se réveillait le matin tout rouge. Tes parents puis on avait des on avait des petites perruches à l'époque. Puis un moment où mon frère était couché dans son lit. Puis ça, je me rappelle comme si c'était hier. Là. Je devais avoir genre 6 ans, 7... Non, 7, 8 ans, en tout cas. On était couché puis la petite perruche était sur la bande de métal. Puis elle a chié dans l'œil. Mon frère pourquoi s'est mis à pleurer. Pas parlé de ça avant? Et mon frère s'est mis à pleurer, puis moi je riais. Le full face en guise de perchoir oui, pour la perruche. Fait chier dans l'œil. C'est l'enfer. En puis toi, t'étais comme, oh, si que j'amène ça à l'école. Écoute, le perchoir c'est spécial, à oiseaux. Oui, j'adore. Mais tu vois, t'avais quand même un petit quelque chose pour dire je vais l'amener à l'école. Moi, je voulais me cacher. Là. Je voulais pas que personne me ouais, voie mais ça, avec quelque clairement, chose de différent. Ça là. Dénote d'une envie profonde d'avoir de l'attention. Moi, c'est ça mon analyse. C'est que je voulais
de l'attention. Oui, mais je pense qu'on veut tout un peu de l'attention. C'est juste que des fois, on assume, on n'est même pas game de l'avouer qu'on en voudrait. Fait qu'on est comme, ouais. Ah non, je vais me cacher. J'ai trop peur que si j'essaie d'avoir de l'attention, le monde va rire de moi. Genre. Mais je pense que je n'avais dedans quand même. Oui, je t'en voulais là. Toupie, là. Oui, c'est ça. Une petite toupie. J'étais une petite toupie. Ben, qui rentrait dans des bouts de prépuce. Puis qui les faisait exploser les pénis. Tout le monde te faisait tourner comme ça, c'est ouais. Ça que tu veux dire. Ben, moi, quand j'étais à la maternelle. Hey boy! C'est pas long, c'est juste qu'il y avait un coin poupée. Oui. Puis il y avait beaucoup de mes amies filles qui jouaient là. Oui. Puis moi, j'étais le seul garçon qui allait. Puis j'étais comme, je vais être le king de la place. Ouais. Fait qu'on faisait souvent des genres de mise en situation que moi, j'étais le mari. Puis je me faisais poignarder, puis je mourais. Oh! T'agonisais à terre. J'étais pas bandé, là, mais j'étais bandé là, là-dessus. Là. J'étais comme, ouais, je vais mourir encore aujourd'hui. Je me rappelle encore du couteau de plastique rouge qui tombe à table. Je suis comme, J'aimais tellement ça, ce rôle-là. Mais moi aussi, j'aimais ça, jouer à ça. Je sais pas si c'est de l'attention ou de la souffrance ou je sais pas c'était quoi. Je voulais être comme le héros, genre. Ou peut-être que juste de penser être le mari d'une femme, ça donne envie de te faire planter un couteau dans le cœur. De mourir. J'aime ça si ça dure 5 secondes puis je crève. Tu sais, je sais pas. Ouais, c'est peut-être, ça. Peut-être. Mais j'aimais ça être couché aussi. Je me couchais. Ouais. Relax, bien relax. Je me couchais au sol après mon décès. Là, il voulait être étendu au sol. Ouais, ben c'était ça mon anecdote. Ouais, bonne. Mais je faisais ça moi aussi. Mon ami avait un sauna à la maison. Puis on le startait, mais tu sais, on était au primaire, je comprends pas pourquoi on avait le droit de faire ça, mais on startait le sauna, puis on se déguisait. Moi, je me mettais une grande longue robe blanche, puis là, on jouait à mourir dans le désert, puis on avait un accent français. Ah, je meurs, ah, j'ai mal. Puis là, je te jure, c'est... C'est bon. Enfin, je te comprends, je suis la même personne que toi. C'est de l'appropriation culturelle, mais c'est ouais. Super. Est-ce que tu jouais à mourir, toi aussi? Mais... Toi? Non, moi, je jouais... Ah, quoi, tu jouais? Oh. Dis pas? Non, mais je jouais avec mes voisins, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais je me souviens pas à quoi je jouais. Je jouais avec des bâtons du diable. Ils changent complètement, mes voisins. Les bâtons du diable, non, mais... le cerceau... Ouais. Non, mais je jouais... oui, je jouais à des personnages puis des affaires. T'as-tu joué à... À quoi? T'as-tu joué à touche-pipi avec tes mon petits Dieu, voisins? Mon Dieu, je pense que c'était mon jeu préféré. Est-ce que avec c'était des voisins ou des voisines? Oh, je pense les deux. Ouais. Je pense que c'est pour ça que j'ai plus d'amis de cette époque-là. Ils ont tout fait, c'est un malade, colique. Non, je niaise. Non, je jouais pas à grand-chose, on dirait à cachette, genre, c'était ça mon c'est jeu. Fun. Avec les amis après l'école. OK, on parle plus de touche-pipi? mais moi, j'ai jamais joué à moi, ça. Moi, je m'installais. À touche-pipi? Non, je vous trouve vraiment comme... Vous étiez déjà comme fucking assumé, genre enfant. Moi, j'étais comme... Je jouais pas à ça, je jouais genre... J'ai pas tant joué à touche-pipi, moi, non moi, plus. Moi, je jouais mais pas... Mais je frenchais. Ah, tu frenchais? À mais... bouteille, genre? Oui, en 6e année, c'était le repère chez nous. On jouait à... Chez vous? T'as-tu dit... Attends, t'as-tu dit... En 6e année, c'était le repère chez nous. Oui. Hey, là, en 6e année, c'était le repère chez nous. On jouait à bouteille. Ma mère, elle aimait ça que je fasse des petits parties, puis que j'avais mes amis, puis elle nous laissait faire nos petites affaires. C'est un party. C'est un bon party. C'était-tu des parties de couple? Ou même les célibataires étaient invités? Tout le monde, non, il n'y avait pas de couple, c'était vraiment free-for-all. OK. Sam, vas-y, dis-le, Sam. Non, mais je l'ai déjà dit, mais nous, on faisait des parties de couple. Mais c'était pas moi qui les organisais. Ça, là, genre entre 10 et 12 ans. Okay. Ah. Une partie de couple à 12 ans. Ouais, voyons, si t'étais déjà ma tante rendue à cet âge-là. Oui! Et j'sais on pas s'entend pourquoi. Que c'était des couples hétéros. Alors, on va faire un bon petit souper de couple ce soir. On est en 5e année. Mais... Et là, ce soir, je vous ai préparé un beau sandwich aux tomates cru. Mais c'est sûr, c'est ça. C'est sûr, c'est un de nos j'adore amis ça. Ou une de nos amis qui a comme vu ses parents faire « Ouais, c'est notre petit souper de couple. » Ça a comme stické. Puis était comme « On fait un party de couple pour la Saint-Valentin. » Puis là, ceux qui n'étaient pas en couple, ils n'étaient pas invités. Ils n'avaient pas le droit de venir. Fait que c'était comme « Vite, ça me prend une blonde, là, tu sais. » Puis après ça, il fallait s'acheter des cadeaux. C'est quand même un gros événement. Mon Dieu, c'est prenant quand c'est, même. Mais ouais. Est-ce que vous vous donniez des becs? Ouais. Ça. Sur la vulve. Non. Non. Mais on jouait la bouteille, nous autres aussi. Puis c'était la des, bouteille? On jouait à bouteille, puis c'était des becs soit sur les joues ou genre sur la bouche. Puis ça allait même pas au French, je me sens.
Sur les joues à la bouteille? Non, mais t'allais juste sur les joues ou sur le bat. Jamais sur la bouche! C'est vraiment large! Non, non, mais on était soft, là, tu sais, on n'osait pas dire... Tu sais, comment ça marche, la bouteille? Mettons, tu spins... On joue à vérité-conséquence, plus. Il y avait pas c'était plus vérité-conséquence, puis des fois, tu sais, on y allait même pas all-in pour les conséquences. Là, mettons, c'était quelqu'un d'autre qu'il fallait qu'il te donne ta conséquence. Puis on était tout le temps comme... ben, donne-y un bec, ça a la bouche. C'est jamais comme Frenchez-vous, là. OK, OK. Alors qu'on aurait pu, mais on y allait pas, là. Mais vous étiez pas prêts. On était sages. Ouais, déjà, vous faites des petits soupers de coupe en cinquième année. Moi, ben je trouve ça. J'ai le goût de dire cric, crac, croc, mon cœur. C'est juste impressionnant. Alors, là, on va faire un petit souper de coupe qu'on est en cinquième année. Au programme, on va jouer au camp. Ben, oui, voyons. Ouais, mais toi, Claudia, t'es partie. Ça... Qu'est-ce qui se passait? Genre, ça avait l'air cochon. Ben, on jouait à bouteille, mais comme. Dans ton bunker. Ben oui. On avait la petite chambre qu'on l'appelait. Le donjon. OK, la petite chambre. Il n'y avait pas de fenêtre dans cette petite chambre. Je te jure, dans le sol. Puis moi, j'avais développé, tu sais, c'était plus juste la bouteille, là. Il y avait une extension au jeu. Puis ce qu'on faisait, c'est qu'on rentrait dans la petite pièce noire. Puis je disais aux filles d'aller d'un bord, aux gars de l'autre. Puis là, je leur disais, quand je ferme la lumière, on se pitche dans le milieu, on rentre dans le tas. Puis la personne que tu trouves, ben, c'est la personne que tu as embrassée. Puis moi, ben, je targetais genre un mon mosh boy. Pit, genre? Ouais. Okay. Fait que moi, je voyais mon boy, Michael Badra, au loin, là-bas. Puis là, j'étais de même avec le switch, puis... Puis là, je le targetais. Puis là, j'allumais la lumière, je dis, ah, ben, c'est un bel adon. Hey, t'es futé rare. Ouais. Mais est-ce que le monde se fonçait dedans un peu? Parce que tu devais pas être la seule avec un target. Y a-tu déjà eu des blessés, genre? Non, c'est non, la purge, non. Genre. Non, non. Ça, c'était en 5-6e année, là. Oui, en 6e année. Mais, c'est créatif, quand même. Oui. Moi, je pense que c'était plate en hostie, mon enfant. Je pense qu'on se faisait des bracelets. Mais je pense, moi aussi, je faisais des bracelets en corde. 36, je faisais 36 c'est cordes ça. En poisson, j'étais capable. Bracelets. Oui! Avec une pince ici. Oui! Alors, pause. Des bains à couche, là, sur le jeans. Oui, là, exactement. Tac, tac, tac. Jouais au hockey, au badminton, au voilà, bâton voilà. du diable. Oui. Je faisais du roller en rond tout seul en avant de chez nous. Mais c'est merveilleux. Du roller tout seul en rond, tout Hello nu en avant chez eux. My old tout friend. Nu? Non. Toujours tout nu. Tout ça, c'est tout nu. Ouais, toujours tout nu. Mes bracelets tout nu, direct dans ma peau. Est-ce que vous avez un dernier complexe à nous donner avant de finir? J'imagine. Ben, pas sûr. Mais moi, c'est plus un complexe psychologique, je dirais. C'est bon, ça. Je pense que j'ai le combat éternel de souvent me retrouver dans une situation où je me sens... j'ai le complexe de... pas de l'infériorité. L'imposteur. Puis, j'ai pas étudié. Et ça, je sens que ça me joue beaucoup dans la tête. Puis je pense que je suis quelqu'un qui est aussi extrêmement instinctif. Puis je pense que beaucoup de mes décisions, puis de mes choix de vie, puis de comment j'aborde ma vie, c'est instinctif. Puis je pense qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. Mais des fois, je trouve ça challengeant de ne pas avoir les réponses parce que je ne connais pas la formule, mettons. T'sais. Fait qu'en musique, ça va me prendre 10 fois plus de temps pour me rendre quelque part. Puis à un moment donné, je vais staller, puis je vais être comme « Ah, ben je ne sais pas pourquoi ». Ça ne fonctionne pas, mais je sais que ça ne fonctionne pas. Puis à un moment donné, je vais trouver la réponse ou je vais même peut-être aller demander de l'aide à quelqu'un qui a les notions. Mais ça, c'est un complexe pour moi, souvent, de ne pas... Si tu avais étudié là-dedans, peut-être que la clé adviendrait de même puis tu n'aurais pas comme à... Bien, peut-être. En fait, c'est que je sais que j'aurais des raccourcis. Ouais. Mais on dirait que plus jeune, quand il était le temps de prendre des décisions de comme qu'est-ce que je fais de ma vie, est-ce que j'étudie et tout... Puis je pense aussi qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Il y a tellement des belles opportunités qui se sont présentées à moi que j'aurais peut-être pas fait si j'avais étudié. Mais j'avais tellement peur de me faire encastrer dans un carcan puis de briser un peu justement l'espèce de magie puis l'espèce de le calling, tu sais, de mon individualité puis de mon unicité. Fait qu'on dirait que j'avais tellement peur de ça que finalement, j'ai pris d'autres avenues, puis ça reste que je suis quelqu'un de super instinctif, probablement pour ça. Mais maintenant, en rétrospective, je suis comme, hey,
t'as jamais trop de notions, tu sais. Il y a jamais trop de knowledge. Mais c'est dur de... Je me reconnais là-dedans, moi. Ouais. Mais ouais. C'est dur de le savoir. Moi aussi, j'ai pas full étudié, là, vraiment pas. Puis c'est dur de le savoir sur le coup, là. Quand on a 17 quand ans, puis qu'on nous dit, oui, comme, faut que t'ailles au CGF, faut que tu lises le livre, ouais, je suis comme, je m'en calisse. Je comme, ça me tente d'avancer. J'avais ouais, pas, j'étais pas capable de me dire, ça va me servir plus tard, puis ça va pas éteindre ce que j'ai en dedans. Puis à ce moment-là, j'ai l'impression, moi aussi, que ça m'aurait un peu éteint. Ouais. Ouais. C'est peut-être rendu à 37, est... peut-être que tu fais comme 97 plus 200! Il y a un secondaire 1. Mais c'est vrai que c'est plus tard. On dirait que c'est le genre de truc, c'est sûr que sur le coup, c'est avec nos personnalités ou avec ta personnalité d'être plus comme, je sais pas, artistique. Peut-être que le modèle d'école n'est pas fait pour puis tout le moi, monde. Moi, j'étais fait pour un modèle Poudlard, là, 100%. Ouais, là, c'est t'sais, ça. Puis clairement, je pense que, tu sais, on se rejoint vraiment c'est là-dedans. C'est quoi un modèle Poudlard? Regarde, Vicky, Harry elle suit. Potter, Vicky est là, elle suit, elle a tout compris. Oui. Ça, c'est un modèle axé sur la différence. Ah. On joue avec tes forces la à créativité. Toi, la créativité. Les sorts, l'herboristerie. Non, mais pour de vrai, moi, je suis allée à une école primaire un peu de même, sans joke. C'est bien. Oui, je jure, mais ça existe. Je pense que ça existe plus maintenant, mais ça existait aux États-Unis. C'est là, comme des écoles alternatives. Ouais, c'était comme Waldorf, là, puis on avait des gros crayons. Y a-tu quelqu'un qui des gros sait crayons. De quoi je parle? Mais c'est incroyable. Moi, j'aurais aimé ça. Laurent Duvernay-Tardif est allé à cette école-là, la gang. Non, mais c'est vraiment genre, je sais pas, là, on avait des cahiers, pas de lignes, là. Tu sais, ça a l'air weird, mais. Puis on faisait de l'urée. Puis de la couture. Mais j'adore ça. Oui, genre, ouais, c'était vraiment le fun. Mais je suis sûre que ça a influencé d'une manière ou d'une autre qui t'es aujourd'hui. C'est juste sûr par que oui. L'espace à la créativité puis à ne pas rentrer dans justement des. J'avais vraiment aimé ça. Moi, quand je suis arrivée au secondaire, j'étais comme, oh non, j'ai capoté. Cauchemar, il y a des lignes dans mon cahier. Oui. Qu'est-ce que je fais? J'écris entre ou dessus, j'étais toute mêlée. Non, mais. Mais t'es très instinctive, toi oui, aussi. Oui, c'est ça, mais ça, je me reconnais vraiment là-dedans. Moi, j'avais vraiment aimé ça. Ça me faisait pas peur, justement, qu'il y ait... Ça va l'air quasiment d'une métaphore, là, mais qu'il n'y ait pas de ligne dans mon cahier, là, non, mais j'aimais ça. Tu marqueras ça sur ton épitaphe. Oui. J'ai jamais eu besoin de ligne dans mon cahier. Non, mais j'aimais ça, on dirait qu'il y ait comme une liberté. Je trouvais ça le fun. Je pense qu'il y a du monde qui aime pas ça puis qui serait comme non, mettez des lignes, là, ça me fait battriper. Mais moi, j'aimais que. Fait que j'ai comme continué cette affaire-là un peu, moi aussi. Puis l'école, ça me tapait le système scolaire dans lequel moi j'ai été, j'étais super réfractaire. Là. J'avais de la difficulté à me conformer. J'étais un petit peu rebelle. Oui. J'avais vraiment. Je t'aime assez, tu le sais. Non, je t'aime bord en bord. Je t'écoute, je suis comme... Je t'aime. Mais oui, mais tu vois, moi, je pense que j'aurais eu besoin d'un Poudlard ou j'aurais eu besoin d'une école qui est peut-être plus... Tu sais-tu quoi? Fun fact. Moi, en secondaire 4, je suis partie pour faire Mixmania 2. Pendant 2 mois et demi, j'étais dans un loft dans le Vieux-Montréal. Puis on avait une professeure pour les 8 qui nous... prenait soin de nous autres individuellement. Et j'ai jamais autant eu des bonnes notes de tout mon parcours scolaire. Fait que pour moi, c'était comme une preuve tangible que j'étais tellement bien, j'étais tellement bien encadrée, je me sentais accomplie, je faisais ce que j'avais envie de faire, puis j'étais concentrée sur mon banc d'école. Contrairement ça fitait plus avec ça toi. Ça fitait plus là, avec moi. T'sais. Ouais. C'est vraiment bien. Ben moi, je suis pas d'accord. Vive les mathématiques 536. Puis tout ce qui est bien carré, puis défini. Puis je veux mon examen et mon bulletin. Ouais, je veux mon épreuve uniforme, j'y tiens. Je veux faire Pythagore. Non, mais toi, t'es vraiment un exemple de quelqu'un qui aime, t'aimais les devoirs, t'aimes les règlements quand même, d'une certaine façon. À l'école, t'aimes l'encadrement. Il se shake le museau. Et quand j'adore les règlements. Non, mais c'est vrai. T'éprouves une... Ben, je suis très obéissant. Je sais pas si c'est parce que j'aime les règlements, mais j'aime bien... C'est noté. Jusqu'à maintenant, tout est noté. J'aime ça. Si. J'aime bien... avoir une note à un examen que je peux comparer à 29 autres personnes. Mon pire cauchemar. Je me situe dans le top 5. Hey, j'haïs ça, là. Oui, moi aussi. Pire j'aime même pas ça être la première. On dirait, je veux juste pas être en comparaison. Tu veux pas gagner? Pour vrai, non, ça me met mal à l'aise. Moi, je voyais chaque examen comme une compétition. Hey boy! J'ai eu des profs, moi, qui donnaient les notes avec les noms. Ah! Puis qui. Moi, tu le mets sur le babillard. Moi, j'ai eu un prof
mon prof de mathématiques, c'était une guerre entre lui et moi. On se détestait, puis c'était « it was a known thing ». C'était vraiment malsain parce que, je veux dire, c'était lui le professeur, tu sais. Anyway, c'était vraiment bizarre, mais il y a une fois, je suis rentrée en classe, puis il a commencé le cours en disant « Hey, imaginez-vous donc qu'il y a quelqu'un ici qui a réussi, attention, qui a réussi à avoir 28 %. Non. On va l'applaudir tout de suite. » Il se met à applaudir, super condescendant. Puis là, tout le monde est comme « C'est qui qui a? C'est qui? » Puis là, ben, il se met à passer les feuilles, tu sais, les copies. OK, fait que c'est comme un suspense, ben, là. Ben, c'est parce un que gros suspense. Pas c'est qui, là. Puis tu le sais quand t'as ta copie que tout le monde va faire comme « T'es combien? » Puis la personne qui avait 28 %, c'était moi. Non! Puis il m'haïssait. Il m'haïssait, puis je l'haïssais en retour. Puis c'était comme une guéguerre de bébé, de lait. Puis c'était lui, l'adulte, là-dedans. Puis c'était comme l'intimidation. Oui, c'est vois, l'intimidation. Lui, il mériterait vraiment que tu rentres dans son pénis pour que tu le fasses exploser. C'est dans ces colloques que c'est nécessaire! Wow! Hey, j'aurais tellement aimé ça. C'est la parfaite fin. Applaudissez Félix Antoine! Claudia Bouvette! Est-ce que c'est bon? Applaudissez-les! Bravo! Ah, ça me fait penser aux glands de pénis. Oui, glands de pénis. Merci beaucoup, tout le monde! Merci! 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 Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous rejoindre sur Patreon pour le segment bonus Q&A qui s'en vient pour les chanceux dans la salle. Oui, on fait un petit bonus, puis après, on vous laisse partir à la maison. Est-ce que tu peux partir la toune? Tout le monde sait.